Alors, je sais pas pourquoi il a décidé de changer d'endroit de son. Je vais aller dans les paramètres. Non! Le jeu, s'il te plaît, respecte-moi! Non, pas le dépannage! Je sais pas pourquoi il a décidé de changer d'endroit de son. Non! Le jeu, s'il te plaît, respecte-moi! Oui, j'utilise VoiceMeter. Non, pas le dépannage! Oh là, là il est bon. Et bonjour. Dans le dernier épisode de Eastward, on a tapé beaucoup beaucoup trop d'animaux avec une poêle. On a fait très peu la cuisine pour un jeu où c'est un jeu d'aventure. Voilà, tout est bon qui est, tout est bien qui finit bien. Le son normalement fonctionne. Je crois qu'on est parti. On est dehors. On est dans les marais, une sorte de marais. On a vu notre premier village. Voilà. Normalement, tout devrait bien se passer. À part que, apparemment, il veut pas calquer mon. Ma. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je remets ma manette, hein, parce que je comprends pas là. Il a décidé de m'embêter. C'est bon là? On peut appuyer sur les touches? Oui. Alors, on est un moustachu accompagné d'une jeune fille qui est à tout de très loin ou de très près du soleil. Elle va chercher le soleil. Elle a les cheveux couleur soleil. Quoi dire de plus? Pas grand-chose. On était à 5h48. C'est censé être fini dans 10 heures. Ah oui, on a une quête très importante qui est de récupérer tous les magasins de cochons. Voilà. Et on va peut-être faire à manger. Parce qu'on a trouvé des pommes. On a acheté pas mal de bouffe. On va faire à manger directement. Attendez, je sais pas pourquoi il a souri là. Elle a le soleil, couleur soleil. Elle a des cheveux couleur soleil. Excusez-moi, bonjour. On va faire des crêpes, alors. Il faut du lait. Et de la farine. Ah non, ça c'est de la poivre vapeur. Ça sert pas vraiment à ça. On a de la farine ou pas? On n'a même pas de farine. On peut même pas faire des crêpes. Oh là là. J'avais envie de crêpes, moi. Bon, alors du coup, on va faire une soupe de potiron. Potiron et on va épaissir avec du champignon. Ah, ça fait une poêlée de légumes. Bon, ok. Bon là on fait au pif hein, parce que je m'amuse pas à ça, hein, je suis pas un joueur. Je
J'espère que vous entendez bien la musique de la cuisine, parce que c'est le moment le plus important du jeu. On va refaire de la bouffe. Alors, on va faire des, on va faire un truc qui est pas vegan du tout. On va faire des côtelettes de porc. On va peut-être mettre un peu de poivre. Le stream casino, non. Ambiance sonore au top. Merci, petit cancan. D'ailleurs, si t'as autre chose à faire, n'hésite pas à partir si tu as besoin. Hein, t'inquiète pas. Il manque un truc. Fruit ? Non, pas du fruit. C'est quoi que si, attends, ça pourrait être pas mal. Avec un peu de pomme. Un peu de pomme, un peu de porc, un peu de champignons. Et un peu de poivre, ça devrait faire un truc, non ? Voilà. Je regarde même pas tellement, ça m'embête, hein, ce jeu. C'est pour, uniquement pour danser. Ah bah ça a fait un truc, un ragoût de viande fruitée, bah voilà. Pendant une minute, on a plus de protection, c'est magnifique. Une généreuse dose de fruits donne à la viande un délicieux goût sucré. Et bah j'apprécie. On a encore deux emplacements de bouffe. Voilà, on va se permettre de faire une petite salade de laitue. Un ragoût de viande, exactement. Un peu de laitue, un peu de champignons, ensuite une petite salade avec, avec de la pomme. Une petite salade de fruits, voilà, magnifique. Petite musique. Compote, hein. J'avais pas appuyé sur le bouton, mais c'est une compote qu'on prévoit. Ah, une tarte aux fruits, bah voilà. Pendant 1 minute 30, on est plus bourrin. C'est génial, on va jamais utiliser ces trucs-là. D'ailleurs, j'ai liké un truc. Bonjour, Tomato Juice. On envoie des cœurs pour Tomato Juice, parce que c'est bien d'envoyer des cœurs pour les personnes que l'on reconnaît. Allez. On a notre sac à dos qui est plein. Est-ce qu'on a du coup d'autres choses? Ah oui, donc on a une sorte de quête. On a un magazine porno. Je trouve ça nul. On n'a jamais augmenté nos bombes. Peut-être qu'on faudrait. On n'a jamais augmenté notre poil. Peut-être qu'il faudrait. Et bien entendu, j'espère que tout le monde va bien, puisque j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais peut-être que c'est nécessaire, des fois, de dire « Est-ce que tout le monde va bien ? Vous passez une bonne, un bon week-end ? Est-ce que vous voulez raconter des choses ?» On va devoir monter, nous. Ah, petit cancan, nous, qui part. Ah, non, attends ! Pars ! Et voilà, donc ça c'est la première bêtise. Faut que j'apprenne à rechanger de perso. Comment qu'on fait déjà? Ah oui. Ok. Eh bien, petit cancanou, adieu. À la prochaine. Mardi, j'imagine. John, regarde là-bas, vitre, attrape-le. Faut l'attraper? Pourquoi? Bon dimanche aussi, petit cancan. Ok, on est dans une grotte. Tout ce que j'apprécie. On est sorti d'une grotte pour rentrer dans une grotte. Tout ce que j'apprécie. Je trouve qu'on gagne pas beaucoup de trucs avec son histoire de pouvoir.
Ok. Ok. C'est quoi? Ah, il y a une borne ici pour pouvoir utiliser ces. Alors, ça, c'est les. Ah, on en a déjà. Attends, on peut racheter des trucs. Boisson énergisante, on n'a pas besoin. L'eau de munitions. On n'a pas de thunes. Bon, on n'a pas de thunes. Bon, bah voilà, c'est. On est riche dans ce monde. En général, je suis blindé. J'utilise jamais ma thune et là, j'ai pas de thunes. Bon, si tu es plein de. Tu es plein de non de tout. De toute façon, je suis plein de. Ouais, je suis plein de tout. C'est vrai. En bouffe. C'est vrai. D'ailleurs, si vous voulez regarder à quel point j'utilise pas les trucs dans la rage stream, en général, c'est incroyable en fait. C'est un monstre. Quoi, un monstre? Oh non, un boss. Je veux faire quoi avec ton. Elle s'est barrée? Bon. Je suis caché! Je suis caché! Je suis caché! Aïe! Aïe, il lance des boules, quand même. C'est un cadeau. Ah, il est comme ça, lui, il pose des mines. On va récupérer de la vie, hein. Salut! Un peu de protection, ça pourrait être pas mal. Faut qu'on change d'arme aussi. Comment qu'on change d'arme déjà? Voilà. Ah, ça fait des... Tiens! Tiens! Je m'en fiche, je suis protégé! J'ai oublié que c'était un fusil à pompe son truc là. Aïe, on peut pas vraiment s'enfuir avec ce truc là. Alors attendez parce qu'il y a le chat du message là, il descend plus. Il est monté, il descend plus, voilà. Est-ce que je suis sur la bonne fenêtre? Hein, c'est possible. Est-ce que les gens ils pensaient que j'allais faire un speedrun de ce jeu? Ah bah oui, apparemment. Excusez-moi, j'ai cut au mauvais moment. Voilà. Kill, kill, kill. Et on fait un petit pull-up aussi en passant. Jon, je l'ai trouvé là! Oh, il est trop bien le gif. Salut monsieur le conchon filou. Ah, il parle. Quoi? Te laisser partir après tout ce que tu as fait? Bah, il a pas fait exprès, je pense. Je vois. C'est ta petite copine, mais la clôture, tu l'as complètement dégommée. Bah oui, il voulait s'enfuir. Tu ne recommenceras plus. Promis juré. Bon, Jon, il sait qu'il a mal agi, il ne recommencera plus. On le laisse partir? Nous, on aime les animaux. On va dire qu'on l'a jamais vu. Super. Au revoir, monsieur le cochon filou. Quoi donc? De la grotte? De la montagne? D'accord, merci, monsieur le cochon filou. Ah, il est parti. C'est Batman, en fait. Arf, il a disparu. Tu te tournes et il se barre. C'est Batman. Bon, on va changer d'arme. Hein. On reprend notre poêle. On sait très bien que la poêle est plus importante que. J'avais pas vu le timer en haut, mais en vrai, on avait le time. Hein. J'adore les. On est dans les métros, hein. Ça ne me plaît pas ici, Jon. Ne nous attardons pas. Attends, je vais peut-être reprendre le bouton de la SNCF. Attends, petit. On va reprendre le bouton de la SNCF parce qu'on va peut-être en avoir besoin.
Maï. Soyons équipés en termes de d'entertainment. Voilà, hop. Si jamais il y a besoin, je l'ai. On peut pas courir hein, dans ce jeu, hein, j'ai l'impression. Il y a des trucs peut-être. Ah, du sang, c'est un hôpital. C'est un hôpital, ok. Ça, c'est des trucs de radio, j'imagine. Ah. Je peux rentrer par là, ok. Veuillez patienter, s'il vous plaît. On peut pas aller plus vite que ça, hein? Non. Et là, il y a une... Ah, c'est des caméras, ça, j'imagine. Ok, bonjour. Vous êtes pas du tout flippante. Et ça, on peut pas casser. Bon, ok. C'est quoi ce truc? Ça ne me plaît pas. Pas du tout, Jon. Allons-nous-en. Tu pars déjà? Encore toi? Qu'est-ce que tu fais? Quelque chose qui doit être fait. Tu peux nous aider à sortir d'ici? Il faut qu'on rentre à Verte Colline. Merci, 12 bis. Tu veux partir? Bah oui, ce soir c'est la fête de la moisson. La fête de la moisson? Je vois. Tu veux venir? Ça va être super. Moi? Oui. Oui, je crois que je vais me joindre à la maison. À la moisson plutôt. Attends, il y a... Ah, j'ai l'impression qu'on va avoir du mal à aller à la moisson. Ce machin a l'air d'avoir démarré. C'est un ordinateur? Peut-être qu'on va pouvoir stream sur une plateforme open source qui s'appelle Twitch. Baie de la baleine blanche, redémarrage numéro 53, nombre d'embryons de rechange suffisant. Conditions climatiques excellentes. Spécimen vivant. Santé excellente. Civilisation primitive. Qualité du spécimen raté. Préparation du miasme. Ah, déploiement dans 6 heures. Quoi? La voie vers la... Last of Us? La voie vers la chambre à embryons est ouverte. Bienvenue, mère. Ah, c'est sa maman. C'est la maman des miasmes. Oh. Tu vois, on a changé de scène. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti par où, là? Ok. Ah. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ça m'a tout l'air d'être bizarre. Attends, faut changer de perso. On peut pas changer de perso. Ok. Bon, bah salut, hein. C'est la matrice. Ah, il nous donne notre chemin, au cas où on est perdu. Bon, bah maintenant qu'on a appuyé sur le bouton, je pense que tout le monde va mourir. C'est génial. Exactement ce que je voulais. Non, pas du tout. Un humain. Pas tous les jours qu'on voit ça. En tout cas, pas un qui respire de l'oxygène, pas vrai? Me souvenir de celle-là pour plus tard, je devrais. Mais d'abord, cet imbécile de garde. En train de flémarder, il doit être. 12 bis, bonjour. Je rigole. Oh, déjà, là, vous êtes... Robot nourrice, je suis. Partir d'ici, vous allez. En avance, vous êtes. M'adapter, je dois. Ok. Tard, il est. Commencera bientôt la moisson. Rentrez vite, vous devez. Manquez ça. Très ennuyeux, ce serait. Ah, il sait. Le robot, il sait, hein. Le robot nourrice, là. On fait que marcher, ici. Trop bizarre. On est spectateur. Alors, spectatrice. C'est cool. On peut rien faire d'autre. On va discuter à la fin, ou... Ou bien. Ah bah c'était bizarre, hein. On a trouvé la sortie. Et ça nous a amené ici.
Il faut qu'on rentre, Jon. Vite, la fête va commencer. Mais vous voulez pas discuter, genre, vite fait de ce qui se passait là, il y a 3 secondes? On a quand même visité. Ah, on est là, on est tout au début. D'accord, ok. Il y a des trucs qui vont arriver hein, sur le chemin, j'imagine. Il y a personne qui veut discuter avec moi? Genre, tout est normal sur le fait qu'on a traversé une matrice? Et que quelqu'un m'a appelé mère? Oh, un beatbox. Trop bien. Bon. On va sauvegarder là, hein. Écoutez. Il y a une baleine géante au sommet de cette montagne. D'après la légende, c'est un monstre qui se nourrit de souvenirs. Comme Zelda. Vous connaissez? C'est pas par là. C'est en bas. Au moins, on va plus vite, hein. Ça va être quoi la fête de la moisson? On va décapiter des gens? Comment ça se passe la moisson? Est-ce parce que il y avait dans des films, il y avait la moisson, c'était décapiter des gens, je crois. Ah, il y a Uva. Ça va être le malaise, hein. Tu n'es pas blessé, j'espère. La forêt peut être dangereuse la nuit. Uva, on a trouvé l'héliport. Ah oui, bravo, ça n'a pas dû être facile. Il m'a dit qu'il ne referait plus de bêtises, plus jamais. C'est pour ça qu'il s'est barré. Il t'a dit ça? Ouais, il me l'a dit lui-même. Ha ha ha, merveilleux. Venez, allez, allons à la baleine de bois. Tout le monde vous attend. Est-ce qu'on a trouvé des trucs pour pouvoir utiliser ici? Je sais même plus. Ah, on peut augmenter. Est-ce qu'on peut augmenter nos bombes? En niveau. Qu'est-ce qu'il y a là, la manette, là? Non, on veut augmenter le niveau. Pas assez de pièces. Oh. Ah! Ah, en bas là. Comment on fait pour aller en bas? Ici? Non. Ça, c'est quoi déjà? C'est pour jouer, ah oui. Est-ce qu'on a trouvé des trucs pour pouvoir débloquer des persos? Ah oui. Pokémon! On a déjà eu 15 fois, lui. Oh! Chevalier noir. Ah, mais on dirait les chevaliers de Zelda aussi. Le garde particulièrement silencieux de la ville du roi démon. Il ne comprend pas le langage des monstres. Travailler au garage n'est rien de plus qu'une corvée monotone. Ma seule joie, c'est de créer ces monstres. Ok, super. C'est vrai qu'il y avait des messages comme ça aussi, des créateurs, créatrices. On l'a déjà eu aussi. Oh là là, la collecte là. Bon, continue. C'est où la moisson, Uva? Demain, c'est le jour de la moisson. La moisson, c'est quoi? C'est quand on rentre toutes les cultures qui auront mûri dans nos champs. Ce sera la base de notre nourriture pour l'année suivante. C'est un moment très important pour le village. C'est un peu comme Orange du Grand Soleil. Mais, et celles qui sont pas mûres, vous en faites quoi de celles-là? Oh, eh bien, on les brûlera avec la paille, j'imagine. Vous les brûlez? Ce n'est pas grave, l'année prochaine, il poussera des nouvelles plantes au même endroit. Jon, tu as entendu ça, toutes ces pauvres plantes? Tu es une jeune fille pleine de compassion, Sam, tu sais. Il faut pas oublier que le feu, des fois, ça fait du bien aux végétaux. Le fait va bien. Commencer, ça fait partie un peu du cycle de la vie.
Et il y a du monde, hein. C'est Uvin et c'est Jon. Ne me dis pas que tu as déjà oublié, espèce de tête percée. Oh. Oui, Jon, mais bien sûr. On m'a dit que vous vous rendiez très utile au ranch. Je me demande bien qui a pu dire ça. Ah oui, et c'est qui couvrait ce nouveau gageon de louanges? Il ne l'admettra pas. Jamais plutôt. Mais il est tout content. Oh. Parfait, parfait. Joignez-vous donc à nous, courageux visiteurs venus de loin. Remercions ensemble Dieu de la montagne avec ce grand festin. Hé les gens, c'est le moment. Le moment. Oh génial, j'adore ce moment. Quel est le moment? C'est quoi le moment? Tout est prêt. Ah, c'est la photo, trop bien. Par contre, t'es pas dans le bon sens là. Hein? Il se passe quoi? Oh, c'est l'heure d'une de nos cérémonies les plus importantes, la cérémonie de la boîte obscure, la caméra obscura, vous connaissez, l'ancêtre de la photographie. Eh bien, on commence par se tenir tous à côte à côte, puis on dit tous ensemble le nom de Dieu, du dieu Ouistiti. Après quoi, il nous permettra de garder ce moment pour l'éternité. Le dieu Ouistiti? Waouh, c'est trop cool. Je peux prendre la pause? Allez, Jon, prends une pause qui en jette. Dieu Ouistiti, pas encore? Bah non, elle est pas du mauvais côté, c'est prêt. Dieu Ouistiti, on compte sur toi! Elle se met où? 1, 2 et 3! Oh là là, que se passe-t-il? Je ne vois plus rien tout d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille, est-ce qu'elle l'a fait exploser? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Je sais ce que c'était, moi, c'était un flash. Un flash? La cérémonie de la boîte obscure, sera sûrement beaucoup plus clair avec ça. Gloire au dieu de la montagne, il doit être très satisfait de cette année. Gloire à Ouistiti. Très satisfait, en effet. Qui c'est qui a parlé? Ouistiti? Allô? Ouistiti? Bon, il y a une séparation apparemment. Bonjour, j'aimerais vous parler. Tout est tellement beau ici, Jon. Je suis si contente qu'on soit monté à la surface. Retournons à la cabane, Jon. La journée va être chargée demain. Ok, on va parler à tout le monde. Toujours dans le coin? C'est sympa par ici, hein. T'en penses quoi? Tu comptes rester un peu? Ça ferait plaisir à tout le monde. Ouais, surtout à Yuva, je crois. Et au commère. On va dire bonjour à Yuva. Elle est pas chez elle. Et il y a Jasper. On va parler avec Jasper. Ce village est tellement charmant. Allons bon, j'en ai les larmes aux yeux, c'est gênant. Ce doit être l'alcool qui m'attendrit. Ah mais attends, on a de la thune, c'est un marchand. Donne-nous de l'argent. Pardon, donne-nous des trucs. On a de la place pour un truc. Non, c'est tant pis. Jon! Tu t'es bien débrouillé. Toi et moi, on va protéger Verte Colline. J'ai toujours pas d'argent. J'ai encore moins d'argent qu'hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Jon, j'en ai marre de marcher.
Je me demande combien de temps on attend entre les... dans les cutscenes et tout là. Jon. Je suis tellement contente que tu sois allée à la fête. Oh, bien sûr, je suis contente que tu sois là aussi, Sam. Même chose pour Jasper. Au fait, je voulais te dire, je trouve que tu es un homme formidable. Je n'ai jamais vu de chasseur comme toi toute ma vie. C'est parce que je chasse pas, en fait. Fort, talentueux et beau. Mais bon, tout le monde le dit, ça. Je ne suis pas la seule. Je crois que je suis trop bon. Hein? Les côtelettes d'héliport. Si mignonne. Si seulement je pouvais avoir un enfant comme elle. Il y a des lumières rouges qui sont apparues sur sa tête. Par tous les dieux, mais qu'est-ce qui me prend? N'oublie pas. Demain, chez moi, pour le petit déjeuner. Waouh, c'est... C'est un move, hein. Des côtelettes d'héliport. Ok. Ouais, Sam, elle est en boucle. Hein. Elle dort, je crois. Mais j'avais plein de vie déjà. Oh, j'ai gagné encore un vie, mais c'est bien. On va retaper un peu sa maison ou bien? Je peux plus rien avaler. Le train de marchandises est en arrivée dans la station. Les passagers ne sont pas invités à monter dans ce train de marchandises. Je sais plus comment ils disent. Ah non, mais le miasme, ça va tuer tout vert de colline. Je connais l'histoire. J'ai déjà vu des films d'horreur. Il y a quelqu'un? J'arrive encore trop tard. J'appuie là, qu'est-ce que tu me veux? Tu t'es mal... Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Super, vous êtes encore en vie? Vous devez vous rendre à la gare. Le miasme arrive. Revenez. Le village, il est... Non, je m'occuperai du village. Vous, rejoignez la gare le plus vite possible. Qu'est-ce que vous attendez? D'accord. Vous êtes qui? Je me sens pas bien, Jon. Cet enfant. Vous pouvez encore vous échapper de la forêt par le sud. Dépêchez-vous, vous devez retourner à la gare. Partez de là, s'il le faut. Alors attends, le sud? Ok.
Dépêchez-vous, vous pouvez encore vous échapper de la forêt par le sud, tu l'as déjà dit ça. Partez, John. Allez, et ne vous retournez pas, je me chargerai du village. Comment tu sais mon prénom? Bon, c'est en bas. Ah, ça tue tout. Ah ouais. Ah ouais. Omori style, hein, j'ai envie de dire. Par là qu'on doit aller? Non, je sais plus. Ah, faut déplacer maintenant. C'est par là hein, qu'on doit aller. Faut qu'on aille dans cette grosse zone, j'imagine. C'est par ici le sud, on est d'accord. Hein, c'est pas. J'invente pas ma vie. Ah oui, faut qu'on fasse tout le retour. En fait, faut qu'on revienne là où on était grâce au cochon filou. Il y a des méchants qui vont arriver. Ah! Lost! Je connais pas Lost, mais je sais au moins que quand c'est noir comme ça, ça fait peur. Allez, laissez-moi passer. Vous allez tous mourir de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Au revoir. J'ai pas le time. Comment on fait? Mais elle meurt pas? Je comprends pas ce qui s'est passé là. Je suis censé éviter taper en même temps? Je comprends pas. Parce que ça va vite quand même comme histoire. Bon, je pense qu'on est, on risque de... J'ai bien fait de me blinder de bouffe. Hein. Allez, c'est parti. Par là qu'il faut aller, on est d'accord. Ah oui, ça va vite quand même. Ça va plutôt vite. Pas le time avec vous. En tout cas, son pouvoir, il est incroyable. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je prenne mon pistolet, ça va peut-être aller plus vite. Ok, on n'est jamais descendu. Waouh. Ah oui, c'est... En fait, c'est ça, il me pousse à utiliser le flingue. Attends. Voilà, on va prendre le flingue. Mieux. Ok. Du coup, je change d'arme là. Ah, faut pas que je fasse ça d'abord. Mais je veux avancer, laisse-moi avancer. En
En fait, il me fait des... En fait, quand t'es dans la mousson, hein, quand t'es dans le miasme, t'as pas moyen de charger. C'est interdit, selon la règle des chargeurs. Attends. Oh, heureusement que je suis parti avant, c'est compliqué. Allez. Oh là là. Allez, allez, allez. Ah non, faudra le lancer. Oh là là. Ah mais je peux pas y aller là. J'avais pas vu mes vies. Je devrais regarder mes vies en fait. Arrêter de bourriner comme ça. Ça devient tactique, hein. Ouh là là. Charge, tu fais quoi? Donc faut que je casse quand même les trucs avant de tomber. Là, on change. Mais c'est pas possible. Ouais, là c'est bon. Allez. Complexe. Ah, faut déplacer. Oh, purée, pourquoi il faut déplacer les trucs? Non mais. Attends. La vie. La vie avant tout. Là, je fais quoi? Je tape quoi, là? Ah, je peux. Oh là là. Oh, la vie. La vie qui s'en va. Aïe aïe aïe. Je suis censé faire comment là? Je suis censé faire comment? Alors attends, parce que... J'ai utilisé toute ma bouffe, wesh. Parce que là, je suis allé le plus vite possible en bas. Enfin, il y a eu des petits problèmes, mais... Bon. Hop. Allez, vite, vite, vite. Allez, allez. C'est complexe. Très complexe, je trouve. En fait, faut aller tellement... Enfin, faut savoir ce que tu fais et ce que t'avais déjà fait, en fait. C'est pour ça qu'ils nous font passer en premier, je crois, avant... Ah, purée. Pourquoi ils nous ont rajouté des... Mais laissez-moi passer, là, les serpents. Il y en avait autant, tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais, là? Il y en avait autant tout à l'heure des serpents. Ah, on peut pas aller. Ah, c'est con, hein. C'est con. Bah voilà. Et là, on apprend qu'on a un super pouvoir parce que la fille est avec nous. Je connais l'histoire. C'est à ça qu'on en arrive, malheur. Pas mal. J'imagine que c'est à mon tour, alors. Quoi? Mais t'es méchante. T'es Dark Sasuke, c'est... Du 7-9.
Ah, quel plaisir de respirer, je n'ai pas bougé comme ça depuis longtemps. Génial, vous avez appris onde d'énergie. Ok. Ah ok, d'accord. Mais c'est pas, c'est plus vraiment ça, hein, moi je sais. Montre-toi. Mère. Est-ce que ça a commencé? Prêt, tout est. Déjà commencé la moisson A. Donc c'est une moisson de mort, ouais, c'est bien ce que je pensais. Cette odeur fantomatique, les souvenirs qu'elle évoque. Viens. À vos ordres. Et emmène-le. À vos ordres. Quel suspense. On va faire une pause. À la fin de cette cutscene. Voilà, je vais faire une pause ici. Ça devrait afficher, voilà. Petite pause. À tout de suite.
Ok, on est reparti. Je mettrai la caméra d'ici peu. J'ai fait mon chapitrage. Ok. Inutile d'aller plus loin, laisse-nous. Oui, c'est vrai, je suis pas sur la bonne page. Mais merde! Assez. Je n'ai plus besoin de toi. De tes services plutôt. À vos ordres. Il a réussi à sauver, j'espère quand même, notre samouraï. Il faut que j'y retourne, je dois les sauver. Laisse tomber, il n'y a plus rien là-bas, plus rien. Allez-vous-en, espèce de crapule, je prends. Fripouille, canaille, brigande. Insultez-moi autant que vous voulez. Il faut que vous mettiez ces deux-là dans le train tant qu'il est encore temps. Ces deux-là? Ah mais je commence à avoir froid aux jambes, je me disais aussi, il me manque un truc. Attendez, il faut que j'aille chercher un peu de plaid. Ces deux-là? Ah, ils sont là. On est arrivé comme par magie. Sam, John. John, plutôt. Vous êtes sain et sauf. Mais. Et vous, vous ne comptez pas vous enfuir, vous aussi? Moi, je n'ai fait que fuir toute ma vie. Est-ce que ce serait pas l'héroïne qu'on attendait comme dans Zelda? Il y a un sabre, il y a tout. Hein. Nous, on n'a pas de sabre, nous. Le train en direction s'éloigne à toute vitesse, apparemment. La lumière des signaux ferroviaires forme des traînées rouges dans la nuit noire. Nuit noire. Le miasme se heurte aux parois abruptes des falaises comme un alpiniste inépuisable. L'usine a été activée. Bientôt, Verte Colline accueillera ses nouveaux habitants. Tantan! On en apprend tous les jours. Le cauchemar a commencé. À suivre dans le prochain épisode. J'aurais peut-être dû attendre le à suivre. Mais non, c'est pas grave, la pause était avant. Nous on fait sur ce stream on fait des cliffhangers hein, apparemment. Jon, enfin, j'ai bien cru que tu ne te réveillerais jamais. Regarde, regarde. Dehors, c'est magnifique. Le journal mis à jour. Allez, je vous remets un petit coup de train SNCF. Le train en direction de on ne sait pas trop où est en arrivée bientôt. Vous êtes bien sur 13 bis, la ligne qui va avancer dans Eastward. Pour l'instant, on a tabassé des choses et on s'est fait démonter par une fumée noire, comme dans Lost. Voilà. Qui s'appelle le miasme. Je me rassois, excusez-moi. Je mets la cam aussi, ça peut aider. Si vous appréciez
ce stream, n'hésitez pas à nous le dire. On va pouvoir enfin se déplacer dans le monde. Verte colline? De quoi tu parles? Mais Verte colline, on vient juste de quitter l'île Cocotte. Bah non, 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 madame. Vous, vous avez oublié un peu votre cerveau. Hein. Un silence total régnait sur le village hier soir, un silence de mort. Et pourtant, je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Impossible de fermer l'œil. Alors je me suis levé et suis parti prendre l'air dans la nuit. C'est à ce moment-là que les nuages ont commencé à obscurcir sur le ciel. J'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai couru à perdre haleine. Je me suis retrouvé au sommet de la montagne. Une fillette aux boucles d'or m'y avait conduit. Ah. On se balade dans l'espace-temps, nous. Apparemment. Alors attendez, parce que je suis mal assis de ouf, là. Excuse-moi, Jasper, deux minutes. Pardon pour le micro. Et en contrebas, aussi loin que je pouvais voir, il n'y avait que du noir. Le noir de la nuit. La nuit est noire. Le noir de la mort. Alors la jeune fille m'a parlé. Elle t'a dit quoi, la jeune fille? Il ne reste plus personne. C'était de ma faute. Entièrement de ma faute. Non, pas du tout. Si seulement j'étais... Si seulement je ne m'étais pas enfui. Si seulement j'étais retourné. Retourné tous les sauver. Tous les sauver. J'aurais dû périr avec eux. C'est ce que je me suis dit. Avec elle, eux. Mais à ce moment, là, je vous ai vus tous les deux. Vous avez dû beaucoup souffrir, vous aussi. Lorsque je vous ai vus à la gare, vous... Vous aviez l'air de revenir d'une bataille épique. On a couru, en fait. On dirait que Sam ne se souvient de rien. Tant mieux, j'imagine. Il a fait un gros, là. Un petit avion, là. Un enfant de son âge ne devrait pas avoir à vivre des choses pareilles. Ok, je vais aux toilettes, hein. On va aller voir notre conductrice. On peut pas. Faut aller reparler à... Ok. Je ne vois vraiment pas pourquoi les gens en font tout un plat. La surface ne fait pas peur du tout. On arrive bientôt, hein. Et il y en a encore pour longtemps. Donc en fait, on va fuir à chaque fois la mousson. Ah, encore un tunnel. Hein, John, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? On attaque le train. On attaque le train. Attendez. Le train 13 bis se fait actuellement attaquer. Le train 13 bis se fait actuellement attaquer. Ils sont là, ils nous ont trouvés. La chance nous sourit. Avec ce que nous économiserons en carburant, nous devrions pouvoir te payer la révision complète. Oh, il y a de l'animation par ici. On dirait bien que nous ne serons pas seuls pour le voyage finalement. Ah, bah y a le robot, il s'assoit pas. Permettez-moi de me présenter. Je suis William, marchand ambulant. Et je suis son assistant. Daniel. Et vous êtes? Moi, c'est Sam. Et voici John et Jasper. On vient de l'île Cocotte. L'île Cocotte. William, ce n'est pas... quel nom original. Est-ce qu'elle se trouve au milieu d'une cocotte géante, par hasard? Mais tu avais dit que c'était de là... Que tu... C'est dans un grand trou géant, toute la ville est souterraine. Ça alors? Eh bien, ça a certainement l'air d'un endroit très protégé. Ah, protégé, dites-vous? Protégé du miasme, c'est tout. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Dans tous les cas, le miasme sera le cadet de vos soucis à Barrageville. Alors, juste une question. C'est bon, c'est quoi le miasme? Je croyais qu'on allait à la baie de la baleine blanche. La baie de la baleine blanche. Et où, diable, se trouve-t-elle, cette baie? As-tu entendu parler, Daniel? Pardon, hein, je bave. Je bave dans ma barbe. Je ne crois pas, non. Par contre, l'île... l'île Cocotte, ça me dit bien. Je sais, j'ai compris. Les annonces à bord de ce train doivent commencer à dater. La plupart des noms d'arrêts ne correspondent plus. Ah bon? Ça alors? Jasper m'avait pourtant dit que cet endroit faisait hyper peur. La musique entraînante, on sait pas pourquoi. Alors attention, les yeux.
Prochain arrêt, barrage du lac de cristal. Ok. Prochain arrêt, Die Hard. Prochain arrêt, Die Hard. Bon. J'ai bien peur que nos chemins se séparent ici. Est-ce qu'on est à Barrageville? Oui, Barrageville a été construite sur le barrage du lac de cristal. Au plaisir de vous revoir, mes amis. Ah, il nous fait la courbette et tout. Ah, oh, trop bien. Salut, hein. Salut. Au revoir. Oh là. Ils sont forts en construction. Bon, normalement, le miasme, il passe pas sur un barrage, on est d'accord. À moins que ce soit le barrage de X-Men. Ah, mais c'est vraiment le train 13, quoi. Oh là là, c'est magnifique. C'est gigantesque, ici. Ça doit être ça, la ville. Jon, Jon, dépêche-toi. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Jasper? Ne t'en fais pas pour moi. C'est juste que... je ne sais pas comment faire face à cet endroit. Ouais, bah, tu m'étonnes. J'aimerais rester encore un peu. Non, mais on a compris, t'es un peu des... Ah! Ravi de vous revoir, cher compagnon de voyage. Vous vous demandez peut-être où aller? Tentez donc votre chance sur l'avenue de la princesse. Il s'y passe toujours quelque chose, ok? On peut pas acheter 2-3 trucs? Cette machine est dans un sale état. Il va falloir... remplacer cette pièce. Ok. Donc ça, c'est des toilettes. On peut aller aux toilettes ou pas? Non. Ok. Il y a une carte. On peut regarder la carte? Non. Ok. Ah, la porte est ouverte. On peut pas passer par là. Ok. Bon, bah, c'est bien. Ah, bonjour, monsieur le robot. Tetsuo. Tetsuo. Kaneta. Les vélos, les skateboards et les pantins à roulettes ne sont pas autorisés à bord. Ah, d'accord. Merci, Tetsuo. Vous êtes comme une toile d'araignée accrochée sur le temps. Les souvenirs s'y retrouvent coincés comme des insectes. Mais de temps en temps, il y en a un qui passe discrètement à travers. Et c'est ainsi que vous oubliez des choses. Ok. Merci, merci, robot, distributeur. Écoute, d'accord. Je prends et je dis oui. On peut pas passer par là non plus? Ok, donc c'est tout le temps vers le bas. Et bien voilà, nous sommes sortis de notre arrêt. Ah mais non, mais le train il part! Oh mince. Bon, bah on descend. Hein. Cette ville, vous l'avez bien regardée? Quelle beauté, quelle splendeur. Une excellente journée à vous deux. Seriez-vous des voyageurs? Je suis Marc Golari Pitor, le peintre ambulant. Saviez-vous que cette ville était construite au sommet d'un marrage? Non. Incroyable, n'est-ce pas? Quel trésor d'ingéniosité. Oh, je vais prendre cette petite maison. Petite maison. Ça a l'air cool. Ah oui, d'accord, on arrive directement au cimetière. Ok. La joie, la bonne humeur. Fermé. GTO. Non, c'est JO. 43-11-3. Ok. Par ici, on peut pas aller. On va essayer de remonter de l'autre côté. On peut pas, j'imagine. Non. Non. L'accès à la ville haute est interdit pour le moment. On peut pas prendre un vélo? Non plus. Eh bien, on continue par là. Hein. Donc là, on est passé par là. Ça s'ouvre. Fermé. Ah, c'est parce qu'il fait nuit, ça. Il est 17h. Je connais. Là, il y a une sorte de petite... ok. Il y a un temple. Ah.
C'est où? Ah, c'est en bas. On va en bas. Bonjour, monsieur Duplot. On a trouvé des jetons. Ok, cool. Bonjour. On vous voit pas beaucoup. Robot nettoyage, écoutez-moi bien. Je ne laisserai personne salir mes rues. Si vous souillez ma ville, je vous mettrai vous aussi à la poubelle. Ok. Je ne plaisante pas. Très bien. Succès débloqué, oreille attentive. Laissez-moi deviner. Vous êtes venu voir? Pas la peine de me le nier. Les hommes sont tous les mêmes. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais le spectacle n'est pas encore prêt. Revenez plus tard. Eh bien, d'accord. Désolé de vous décevoir, mais le spectacle... Ah, c'est pas grave, le spectacle, ok. Merci. Si vous, hein. Vas-y, on peut pas être en mobylette dans ce jeu. En même temps, il y a très peu de jeux mobylettes. C'est dommage, d'ailleurs. Donc on remonte là-haut, non. On va descendre. Ah, j'adore. Les escaliers comme ça, on en voit très rarement dans les jeux vidéo, c'est bien. Alors là, fermé. Oh. Là. Je peux pas aller là-bas. Ah si. Pièce détachée de qualité supérieure. Oula, il y a des petits renforcements, un renfoncement. Oh là là, mais trop bien les affiches. Ça me rappelle la belle époque des films bizarres, chelous. On peut pas aller là. Tiens, il y a un endroit qui s'appelle Tata. Très, très intéressant. J'ai un peu peur de ce qu'on va trouver. T'es là pour trouver du boulot, toi aussi. Et avec ta gamine en plus, eh ben la vie t'a pas fait de cadeau, l'ami. Ah, c'est Monsieur News. Bien le bonjour, monsieur, en recherche d'emploi. Je ne publie que les toutes dernières annonces de recrutement de Barrageville. Ah, j'adore. Recrutement d'assistant au laboratoire d'Alva. Vous êtes fort, courageux. Vous voulez faire bon usage de vos talents? Affinez vos compétences de combattant. Si c'est le cas, vous êtes l'assistant qu'il me faut. Ensemble, nous sauverons le monde du miasme. Rémunération avantageuse, garantie, logement et matériel fourni. Adresse, avenue de la Princesse, manoir de la Fusée. PS, les génies des fourneaux seront prioritaires. Bah très bien, je sais très bien faire la cuisine. Jon, sauver le monde du miasme. Et puis génie des fourneaux, Jon, c'est toi tout ça. T'entends le coup, on peut devenir assistant de laboratoire. Ouais, ça fait un peu peur. Tu manques pas de cran, l'ami. Nous deux, on toucherait pas aux annonces de la Princesse, même avec un bâton de 3 mètres. J'apprécie le petit détail de la taille de ton bâton, mec. Ça me fait gaulerie. Bon, bah, salut, hein. C'est par là? Non. Là-haut, il y a un truc là-haut, on dirait. On peut descendre. On va descendre. Par là, là. Je crois que ça nous fait sortir un peu. Sanctuaire du vent. La suite du jeu. Oh, bonjour! On peut faire une offrande? Il y a des spots et tout, c'est magnifique. C'est pas comme dans tous les Final Fantasy où on sauvegarde dans un sanctuaire parce qu'on fait pas du tout la propagande pour pouvoir... pour les religions. Pardon. Hop, non. 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 Non, non. Non, bonjour. Je peux parler à lui, hein? Non, mais je voulais pas te parler à toi. On recrute, oui. Non, mais ça, on a déjà entendu... Non, j'aurais pas dû cliquer sur on recrute, il y avait pas d'autres annonces. Oh là là, Monsieur News. On dirait... Comment ça s'appelle? France Info? C'est qui boucle en H24, là? Il y a beaucoup de news H24. Les dernières nouvelles. La confrérie des bâtisseurs travaille actuellement sur la ligne de métro de la ville. Si tout se passe bien, elle sera bientôt opérationnelle. Ok. On peut avoir la dernière news. Foire aux rumeurs. Ouais. Alors, un régime trop sévère. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Un régime trop sévère? D'après l'ami du cousin d'un ami, il s'entraîne sans relâche dans le but d'avoir enfin une petite... Non mais c'est quoi ta face d'incel chelou là? Vas-y, les rumeurs c'est pété, on se casse. Ah non, c'est fermé. Ah, il y a un monsieur, faut l'aider.
Kentaro. Encore un peu, juste un peu plus haut. Voilà. Oh non. Ah, qui a éteint la lumière? J'étais presque. Qu'est-ce qu'il regarde? Vous cherchez la princesse Alva? Passez par la ruelle derrière moi pour aller au manoir de la fusée. C'est là qu'elle habite. Bah merci, hein, mais tu regardais quoi déjà? Ah, tu veux pas me dire, tu veux juste me répéter où t'étais. Là, c'est fermé. Et ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah! Bouh! Pauvre de moi. Ah, c'est Mimi la Mi-Génarde. Ah, la ref à Harry Potter est là. Vous ne fuyez pas en hurlant, comme si on venait de vous couper la... Oui, la queue? Enfin, un homme avec un peu de cran. Qui suis-je? Le spectre de Barrageville, bien évidemment. À ma mort, je me suis retrouvé coincé dans ce triste endroit. Condamné à hanter ces rues pour l'éternité. Comme ce petit bonhomme. L'avenue de la princesse ne manque pas de ventilateur, pas vrai? Quel boucan. Mais celui-ci est un peu différent, vous savez? Pourquoi? En fait, on dirait presque qu'il pleure. C'est à cause de ce gamin. Il avait des problèmes d'audition. Il avait beaucoup de mal à entendre les choses autour de lui. À part ce ventilateur. Alors, il venait l'écouter tous les jours. Mais ça l'a rendu sourd. Pas ça, non? Et ça le rendait heureux. Logique, puisque c'était la seule chose qu'il arrivait à entendre. Mais un jour, le ventilateur s'est arrêté d'un coup. Et tout ça l'a fait totalement paniquer. Alors, il a cherché à s'en rapprocher le plus possible. Il a sauté aussi haut que ses petites jambes lui permettaient, jusqu'à ce qu'il réussisse à entrer dedans. Ok, c'est compliqué. Et ensuite? Ah, vous entendez ça? Je pense que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Depuis ce jour, on l'entend toujours pleurer. Il y a plein d'histoires comme ça à Barrageville. D'enfants comme ça. Prenez le temps de les écouter. Ils vous en seront sûrement reconnaissants. Ok, d'accord. Tu veux me parler de quelque chose? Ah non. Mon Kentaro, arrête de, ma de mater sous les stores, hein, ok? Manoir de la fusée. Ok, donc là il y a des trucs. Non. Non. Il n'y a rien. Bon, c'est très joli, hein, mais c'est un peu vide. Examinons. Ça, c'est un ascenseur. Il y a quelqu'un? Oh oui, mais fais pas la bac, Sam, s'il te plaît. Bon, on dirait qu'il y a personne. Allez, on continue? Ah, attends, il y a un mot. Pour toute demande, adressez-vous au laboratoire d'Alva au troisième étage. Ici. Ah, il y a Jolene qui est en live. Attendez, je vais faire un petit shot-out. Il y a Jolene qui est en live. Il y a Stop Grossophobie qui est en live. Donc, allez voir. Hop. Hop, voilà. Ok, on continue. Ah, je peux rentrer là. C'est ma maison? Non, ça c'est le laboratoire. Attends, je veux pas aller dans direct au labo. On peut pas monter. Ah. Pourquoi le laboratoire, il y a la poste, elle est toujours remplie. La boîte postale, là. Trop cool, une fusée, une vraie. Elle est super classe. On voit même dans le cockpit. Fiu, fiu. C'est vraiment incroyable, Isa. Isa, c'est comme si tu ne connaissais qu'une seule vitesse à fond. Si tu continues à le pousser autant, le moteur va te claquer entre les doigts. C'est Isa qu'elle s'appelle? Isa, tu peux m'apporter la clé qui est sur l'établi? C'est pas ça ni ça. Ok. Est-ce qu'on va la gagner, nous? On va la garder? Les machines sont aussi vivantes que toi et moi, tu sais. Il suffit de les traiter avec douceur. Et voilà, il ne reste plus qu'à installer le compresseur d'air et elle sera prête à s'envoler. Super. Eh, mais c'est Astro Boy! Elle est drôlement robuste, en tout cas. Pas vrai, ma petite choupinette de fillette à cheveux blancs? Quoi? Merci, 12 bis. Bonjour. Monsieur des annonces a parlé du laboratoire d'Alva, c'est ici? Est-ce que... Attends, si c'est Alva, elle? Oui! La ref est donc, du coup, à Adventureland. C'est ça, je me rappelle plus le titre. Mais je crois que c'est ça. Parce qu'elle a les cheveux roses.
sans doute une petite ref là. Alors, vous êtes venu nous aider. Oh, ça alors, au bon sang, oh là là. Isa, Isa, tu ne devineras jamais, quelqu'un se propose de nous aider, tu as entendu? Ah, bah c'est Isa, notre samouraï. Isabelle, oh, c'est vous? Oh, la lumière, quel état. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais des amis aussi adorables? Hein? Tu la connais, Jon? On s'est vu, qu'une seule fois. C'est un peu louche, ça, non? Enfin bref, vous êtes là pour l'annonce, c'est ça? Exactement, Jon assure dans tous les domaines. Je vois, je vois. Parfait. Dans ce cas, c'est décidé. Vous serez mes nouveaux assistants de labo. Sam, ton nouveau matricule super secret est 002. Jon, votre nouveau matricule super secret est 003. J'ai un badge d'assistant de laboratoire. Oh, génial, tu as entendu, Jon? Nous voilà assistants de labo. Et du coup, ça veut dire que cette dame a le matricule 001. Non, Isabelle, ça suffira. L'assistant de laboratoire 001 est tout à fait extraordinaire. Enfin, un peu moins extraordinaire que cette chère Isa. Enfin bref, vous ferez bientôt sa connaissance. Passons directement à votre première mission. Je vous envoie dans la vieille ville où vous devrez me trouver un four gélatino-génatina. J'ai pas compris. Une seconde, ce ne serait pas enfin, tu sais, un peu dangereux dans ce cas-là, dans ce coin-là? Ne t'en fais pas. Un guerrier de la justice se tiendra prêt à intervenir pour les sauver en un clin d'œil. Oh, je vois. C'est qui les guerriers de la justice? La vieille vie abrite quelques formes de vie étranges. Mais pas d'inquiétude, un héros se tiendra prêt à intervenir pour vous aider en un clin d'œil. Ok, vous parlez vite, Madame Alva. Je vous présente mes excuses, je ne vous ai pas dit toute la vérité. Le temps que je vous retrouve, le village était déjà. Ok. On peut monter là-haut? Non. Là? Non. Ok. Vous voulez pas me donner un truc en plus? Une arme, quelque chose? Ok. Bon, bah salut, hein. Nous voilà repartis en quête de quête. La quête nous a été donnée. On doit aller faire le ménage. Ouais, pour l'instant, on n'a pas pu monter là-haut. Je pense que ça doit être là-haut qu'on doit aller. Ou en bas. En bas, j'ai l'impression, parce que ça clignotait en bas. Ok. Donc les chiffres, hein, vous avez. Elle est partie en fusée. Je pense que vous avez compris que. Ah, bah tiens, tout est ouvert. Que les chiffres c'était 007, hein, James Bond et Yula. Ne ratez pas votre chance. Offrez-vous un beau crabe de barrage. Alors, je vais aller voir. Si c'est la bouffe, on n'achète pas aujourd'hui. Ohé, du bateau. Bienvenue au crabe royal. Vos papilles vont découvrir des saveurs totalement inédites. Du calamar et du poisson. Oui, mais nous, on veut d'abord claquer notre argent dans augmenter la munition, ce genre de petits trucs là. C'est ici? Non. Surtout les bombes, peut-être. Ah, il y a du people. Alors, bonjour monsieur. Préposé, le métro est fermé. Ok. Docteur Key, tu as quelque chose de nouveau aujourd'hui, Ned? Ouais, j'ai trouvé que dalle alors que je m'en vais retourner aux machines. Ok. Ça te dérange pas ta rombière? Ouh là là. Tu sais ce qu'on dit? Ce qu'elle ne sait pas ne peut pas lui faire de mal. Ouh là là, cassez-vous en fait. Monsieur, vous buvez. Peut-être que vous allez avoir plus de discussions que les autres, plus intelligent. Ça tourne! Qu'est-ce que ça tourne? Pas vraiment. C'est où qu'on achète nos nouvelles armes, là, nos nouveaux trucs? Bonjour, monsieur. Tony, visez un peu tous ces minables. Moi, haha, j'ai rien à voir avec eux. Je vais devenir riche, riche, riche. J'attends simplement mon heure, la bonne occasion, vous comprenez? Pour traverser la rue. Pour traverser la rue. Oh, madame, bonjour. Ah. Alors, on va discuter. Tu veux pas. Chouquette, elle s'appelle. Des bonbons, vous en voulez? Vous aussi, je vous conseille les Miaou Mix, c'est les meilleurs. Ok. Bonjour, madame. Ganma. J'adore faire des emplettes à l'amigale. C'est un de mes passe-temps favoris. On y trouve toutes sortes de merveilleuses épices. Ah, mais c'est encore de la bouffe? Bienvenue chez l'amigale, à votre service. Oh, des bubble tea. Oh, des radis blancs. Oh, des aubergines, il y a tout ce qu'il faut. Ok, il y a du tofu aussi. Magnifique, on se barre. On va rien acheter ici. Au revoir, monsieur. Quand on aura de l'argent, hein. C'est où qu'on achète des trucs pour augmenter notre stuff, là?
C'est où? On est obligé d'acheter que de la bouffe là. Que c'est ici? Ah. Ah, qui est là? Oh, qui c'est? J'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai cru que c'était un de ces débiles de crâne d'œuf. Minute, vous cherchez pas de quoi manger au moins? C'est ma poubelle, ça, pas touche. Ok. Mais bon, puisque vous m'avez trouvé, je vais vous confier un petit secret. Il paraît qu'il y a une île dans le lac à l'extérieur de la ville et qu'un trésor fabuleux y est caché. Vous avez qu'à aller voir. Ok. Si vous me retrouvez, je vous dirai un autre secret. Ha ha ha. Ok. Super. Donc, on check toutes les poubelles maintenant. Super. Très heureux. Votre spectacle, il est ouvert, monsieur? Les zones sont... Ok, je comprends rien. Ok, bon, salut. Ça s'ouvre ou pas? Non. Et je vous ai retrouvé là? Ah non, mais tu m'as déjà dit. Du coup, en fait, vous avez pas encore déplacé... Vous êtes pas encore déplacé, monsieur. Sortez de... ou madame. Sortez de votre poubelle, hein. Je cherche de quoi acheter. Ah, c'est ici. Oh, bonjour. Jade, même notre vénérable seigneur a un fait pour la saveur de nos breuvages. Il faut dire qu'elle est unique et exclusivement réservée à l'élite. Ah, super indiqué, c'est où? L'alcool, c'est vraiment un des grands mystères de la vie. Même servi par la pire des ordures, il garde un goût de paradis. Mais ouais, bien sûr. Eh, j'ai été fabriqué pour ça. Si ça te plaît pas, t'as qu'à dégager. Et susceptible en plus. Mais casse-toi en fait, mais cassez-vous, pourquoi vous êtes tous ingérables en fait? Vous la verrez autrement après un bon verre. S'il vous plaît. Ah. Ah, ça ramène de la vie. Ça augmente ma... de la batterie. Ok, je n'ai pas de robot. Bon bah salut, hein. Ciao. Ok. Je ne vais pas bourrer Sam jusqu'à preuve du contraire. Nous, on essaye juste d'augmenter nos stuff. Trop bien. Une salle. En sous-sol. Ça fait pas du tout peur. Kurahashi. Bonjour, bienvenue mes chers clients, je suis votre hôte, le légendaire Kurahashi, à votre service. Malheureusement, nous sommes fermés pour l'instant. Revenez plus tard. Ok, salut. La musique est bien, avec le pincé électrique. Quand j'étais gauche, j'adorais me pencher ici et regarder le marché du dragon. Je me demande ce que cette drôle de porte fait là, maintenant. Enfin, peu importe. Le marché a fermé de toute façon. Ok. Maintenant... Ah! Quel drôle de coup. Nice. La vieille bique est en run depuis ce matin. Quand elle est comme ça, je préfère aller voir ailleurs. Okay. Et où crois-tu aller comme ça, très cher? Cette vaisselle ne va pas se laver toute seule. J'essaye de te rendre un peu utile pour changer. Oh, super. Toujours en train de railler et de rouspéter. Je crois que je vais aller me détendre au palais. Mais moi je cherche... c'est où qu'on achète nos trucs? C'est où? Bon, je vais regarder la map. Apparemment on la trouve pas comme ça. Donc là il y a ici. Donc ça c'est les deux bars. Mais je comprends pas. Il y a la sauvegarde. Peut-être que c'est en bas, hein, finalement. À côté de la sauvegarde. Au pire on garde et on verra. Hein. On garde la thune, hein, on fait l'économie. On utilise la poêle niveau 1, la bombe niveau 1 et le pistolet niveau 1. Apparemment, c'est que ça qu'on va utiliser pendant tout le jeu, comme j'ai tendance à faire. Donc là, il y avait le crabe, mais il y avait un truc en haut, j'ai vu. Bah, je sais pas. Là, on peut pas rentrer. Là, il y a le crabe. La sauvegarde. L'argent, le succès, la célébrité, des rires, des larmes et des chansons. On trouve tout cela au fil de vos souvenirs. C'est bien. Ok. Mais du coup, on a pas moyen pour l'instant de stuff. Peut-être que c'est en bas. Du coup, on va peut-être acheter 2-3 trucs ou pas alors. Non. Je veux bien acheter votre balai là. Non, toujours pas. Bon, vas-y, on part. Salut! Ah, il y avait encore une ville. Ah, ça, bonjour madame, bonjour monsieur le bébé. Sacha, regarde ta jolie petite fille.
C'est ma fille? Ma fille? J'ai un enfant? Ah. Les petites boutiques, voilà, les vraies petites boutiques. Allez, donne. J'adore son style. Johnny! Vous avez eu ça encore, un court jus? Alors, il faudra me pardonner si je manque un peu de jus avec vous aussi. Est-ce que je peux me payer quelque chose, Johnny? Non! Je peux rien payer, j'en peux plus. J'ai pas de pièces, qu'est-ce qui se passe? Mais où se trouve la thune? Mais je suis si pauvre que ça. Jimmy, vous allez à la vieille ville? Quelle horreur! Cet endroit grouille de monstres. Mais vous deux, vous semblez capables de vous défendre. Quel courage! Oui, bon, ça devrait aller. Hein. S'il faut juste les stun et après les taper. Pas de problème. Ah! Il y a une petite statue là. Faudrait qu'on discute avec le fantôme. Fantôme des jours zéro. Non, 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 non. Bonjour. Ah, mais c'est toujours Mimi. Vous revoilà. J'ai eu un peu la gorge cassée. Laissez-moi vous poser une question. Cette ruelle, elle n'a rien de spécial, pas vrai? Vous ne seriez pas le premier à le penser. Mais, imaginez ça. Le soleil se couche au terme d'une chaude journée d'été. Un petit garçon dit au revoir à ses amis qui rentrent tous chez eux pour la nuit. Impatient de déguster les hamburgers de sa maman, il décide de prendre un raccourci. À la ruelle paraît délicieusement fraîche. Quoi ? À la ruelle paraît délicieusement fraîche après la moiteur des grandes rues. Il accélère. Ses petites sandales fouettant la chaussée. Mais alors qu'il court, la ruelle semble rétrécir. De plus en plus étroite, ses murs se referment sur lui. Au point qu'il doit se détourner et se tourner de côté pour continuer d'avancer. Mais il ne pense qu'aux hamburgers de sa mère. Plus vite, se dit-il. Je dois me dépêcher. Alors, il continue à se faufiler et à avancer de force, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger d'un pouce. Certaines prétendent qu'on peut encore l'entendre, coincé entre ses murs, en train d'appeler sa mère à l'aide. Encore et encore. Eh bien merci, hein, heureusement qu'on est en octobre. Hein. Salut. Ah, là on pourrait jouer à Earthbound, j'imagine. Salut. Hein, oh, salut. C'est la première fois que je viens vous voir dans le coin, vous venez d'arriver en ville. Si vous voulez jouer à Earthbound, il va falloir faire la queue. Ah, c'est de là, aller chez la princesse tout à l'heure. Tu les connais, Kentaro? Non. Je m'appelle Sam, vous jouez à Earthbound? Oh, j'avais encore jamais vu cet ennemi. Hein? Oh, lui. C'est le monstre caché du niveau de la montagne, le dragon de Dieu. Il a une capacité qui lui permet de renvoyer les dégâts avec son ventre. En gros, on peut le battre. Ouais, et le seul moyen d'atteindre la caverne où il se trouve, c'est d'avoir une Pixball Dragon de Dieu. Mais bon, c'est super rare, alors... trop génial. J'aurais pas dû me laisser déconcentrer, c'était... moins une. Oh, il y a un petit chacha derrière ma tête. Genre, c'était inattendu. Salut, moi c'est Eric, et ces deux comiques qui ont même pas pris la peine de se présenter, c'est Kentaro et Jackson. J'adore tes cheveux. Bon, bref, tu veux jouer avec nous? Oh oui, j'aimerais beaucoup, mais tout de suite c'est pas possible. Je suis au beau milieu d'une mission super importante. Une mission classe. Oui, il faut qu'on aille chercher un four gélatino-générateur dans la vieille ville. Vous ne sauriez pas où il se trouve par hasard? Un four gélatino-générateur? J'ai aucune idée de ce que ça peut bien être. Mais ça a l'air tellement classe. Et une mission dangereuse confiée par la princesse. Et j'y crois pas, vous devez vraiment pas être n'importe qui, vous. Et ben, John est un vrai combattant d'élite. Un combattant d'élite? Classe. Il paraît qu'il y a plein de monstres flippants dans la vieille ville. Des monstres flippants face à un combattant d'élite que je crois qu'on sait déjà qui va gagner. Ils feront pas le poids. Enfin, bonne chance quand même, hein. Faudra tout nous raconter. Alors, je vais vous montrer la petite... voilà, regardez. Il y a un petit chat, là. Il miaule... enfin, il baille. Trop bien. Trop bien. Moi, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, c'est par là qu'on est passé, ok.
Bon, là on peut pas casser. Là en bas il y a une sorte de petit truc. Faudrait que j'arrive derrière. Patron! Soyez sympa, patron. Clétus ne pouvait pas deviner. J'avais pas la moindre idée qu'il y avait des monstres. La ferme, des monstres, hein. Tu vas me faire pleurer. Tu crois peut-être que sous prétexte que t'as tombé sur quelques petits monstres de rien du tout, ça te donnait le droit d'abandonner ton matériel? Mon matériel? Tu es viré, tu m'entends? Viré, vira, on s'en tape, t'es viré. Le patron pique de ses crises en ce moment, surtout depuis que les deux autres sont partis. Déclaration véridique. Le fait est qu'il a quasiment élevé les frangins, et il comptait leur transmettre l'affaire en plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'étais pas au courant. Il suffisait de demander. Écoutez, bande d'ingrats, la confrérie des bâtisseurs est très flexible, implacable, complètement impitoyable. Alors je veux pas entendre un seul d'entre vous me parler de monstres. Ok, bonjour. Je ne fais que passer, moi je vais chercher le petit truc derrière vous. Voilà. Est-ce que j'ai assez maintenant? Est-ce que j'ai assez? Oui, apparemment. On va aller acheter des trucs. Allez hop, salut, ciao. Bon dimanche, au revoir. C'est où déjà? C'est où les... Ah oui, c'est en haut. C'est où notre entre... Voilà, c'est là. Bonjour, je viens acheter de l'amélioration. Est-ce que c'est possible que je puisse acheter de l'amélioration? Ah. Alors, bon bout fusil. Grosse caisse de munitions, ça va montrer nos munitions. C'est pas, ça pourrait être pas mal, mais... On va augmenter le fusil. Ouais. Fusil pampan amélioré, il est devenu plus puissant, bah c'est trop bien. On l'utilise tellement peu de toute façon. Apparemment on peut pas acheter une nouvelle poêle, hein, n'empêche. Alors on va discuter. Hein. Bonjour, je voudrais me syndiquer auprès de vous. Patron, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Qu'est-ce que vous me voulez? Ah, c'est la première fois que je vois vos tronches crasseuses à tous les deux. On est assistant de laboratoire au labo d'Alva. Je suis l'assistante de laboratoire 002, Sam. Et voici l'assistant de laboratoire 003, Jon. Les sbires de la princesse, c'est ça. Voilà qui me donne une idée. On est en route pour l'ancienne barrageville. La vieille ville? Mais c'est incroyablement parfait, ça. Je me présente. Mung. Mung, PDG et chef incontesté de la confrérie des bâtisseurs. Il se trouve qu'on est en plein milieu d'un énorme chantier. La reconstruction de la ligne de métro de Barrageville. La ligne de métro de Barrageville? Oui, la ligne 13. Un chemin de fer souterrain qui relie Barrageville à toutes sortes d'attractions proches. Autrefois pilier des déplacements urbains. Il est depuis longtemps inopérationnel. À notre grande dame. D'ailleurs, dame, c'est en français, ça s'écrit comme ça. Mais est-ce que ça fonctionne bien aussi comme ça? Je sais pas. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Oui, bah oui. Il y a marqué dame, mais il n'y a pas marqué Dane. Ça marche toujours pas. Elle était accessible en un clin d'œil à métallique à l'époque. Ok. Toute cette vapeur d'eau. Ah, comme ça me manque de piquer une tête. Ça suffit comme ça la leçon d'histoire à rallonge. Sans vos honneries, bande de foie jaune, sans cervelle. Vous seriez déjà en train de profiter de cette flotte étouffante pour vous déboucher les ports. Mais non. Quelques monstres minuscules et vous faites dessus pendant des jours. Mais vous, là. Si la princesse vous a engagé, c'est que vous devez avoir autre chose que deux mains gauches. Si vous pouviez nous faire une fleur en chassant les monstres qui squattent la gare, ben je devrais pouvoir vous dire comment atteindre votre destination. C'est tout? Donne-moi de la thune, j'ai besoin de thune pour acheter des trucs. On n'est pas du tout à jour en fait. Ça marche, on s'occupe de tout. Avec Jon, ces monstres vont faire leur valise. Absolument parfait. Pour trouver la gare, sortez de la ville et partez vers le lac. Ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre le rivage. Je note pas du tout, on va aller comme on connaît, comme on sait. Vous pouvez pas la rater.
Je n'ai rien compris, mais c'est pas grave. Bonjour monsieur. Ah, c'est monsieur Patate. Ou Patate, tout court. Monstre, danger, patron, danger supérieur. Ok, c'est pas mal. Clétus, c'est plutôt marrant. Ok. Ils se sont tirés en disant qu'ils allaient se faire un nom, mais eux, au dernier réveil, ils n'ont pas décollé du casino. Du casino, d'ailleurs, c'était écrit. Le patron est un véritable volcan de rage sphérique, déchaîné depuis que les frères sont partis. C'est pas mal, hein, comme expression. Clétus, ces monstres sont terribles, des mâchoires puissantes, des crocs acérés. Il ferait qu'une bouchée de vous. Alors Clétus, c'est un peu le terme pour désigner les white trash un peu bêtes qu'on voit dans les films. Je pense que c'est un trope même, carrément. Un cliché, quoi. Scénaristique. Ah, enfin, on va pouvoir se faire à manger. Alors, on n'a rien à acheter. Mais on va faire que une petite, voilà, une petite champignonnade. Presque. Un jour, on va faire un parfait et on va comprendre qu'on aurait pu le faire depuis le début. Non, pas l'eau. Et l'eau. On utilise de la thune pour faire à manger là? J'ai pas compris. Alors, citron, fruits. Deux fruits. Ah, on fait une tarte aux fruits avec ça, d'accord. Bon, j'ai essayé de faire un truc, mais ça marche pas. Ok, tarte aux fruits, trop bien. On se refait un petit truc. Peut-être des crêpes. Peut-être que ça va faire des crêpes. Ah non, des œufs à la vapeur, bah très bien. Avec du lait. Petite omelette. Est-ce que c'est la team je rajoute du lait pour épaissir ou bien? Sur ce stream. Œufs à la vapeur. C'est très bien les œufs à la vapeur, ça fait 6 plus 6, c'est très très bien ça. Et ça régénère Sam en plus, c'est magnifique. Bon, faut trouver plus d'œufs, acheter plus d'œufs. Champignons! Bon, les champignons, c'est ça. J'attends hein, que les crabes là ils se réveillent. Ah d'accord, ça va se passer comme ça? Tiens, casse-toi. Voilà, petite bombe cachée. Voilà. Mais en fait, ça nous donne. Ah oui, on a une batterie maintenant. Je comprends pas. À quoi ça sert la batterie? Nous, on a une batterie? Ah non, c'est le cercle de. Vas-y, pont, hein, nous, y a pas de problème. Balance les sports. On a besoin. Hein. Attends. J'ai vu. Vous avez vu le. Oh là là, je l'ai pas eu. On reviendra. Descendons. On a rien, hein. Comment on trouve de la thune dans ce monde de l'enfer? Bon, là on pourrait monter. Bon, on va continuer par là, on va voir ce qui se passe. Hein. C'est par là qu'il faut aller, parce qu'en fait, ça. Ah oui, si c'est par là, on va pas là. Ok, on va de l'autre côté. Ce
sert à quoi de nous faire passer ici? Rien du tout. Ok. Bon bah on rentre hein. Ah, il y a un téléphone. Alerte, alerte, vous avez atteint une zone interdite. Faites demi-tour immédiatement. Bah salut hein. J'imagine qu'on arrive par là, donc ok. Ok. En fait, il nous donne pas du tout de la thune, ce truc-là. Champignon nul. Du sel, des trucs, quoi, s'il vous plaît. Le sel, ça sert à rien, nous. On veut des pièces détachées. Oh! Un dodo. J'ai vu un dodo. Waouh. Attends. Ah oui, il nous tape. On va se mettre là. Ah oui, carrément, on se prend de l'autre côté. Attends, 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 je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comment qu'on fait? On au pistolet, on va essayer de voir. Ou sinon, on l'arrête avec, avec la fille. Comment qu'on change la fille déjà? Ouais. On va l'arrêter. C'est dur, hein. Oh là là. On a plus de vie. Bon, vas-y, on abandonne. Bon, bah, plus tard, hein. Aïe. Je suis très sympa. Ah oui, c'est vrai qu'on peut abandonner lui. Attends. Comment qu'on fait pour revenir? Oui, bah, merci. On va monter. Ok. Comment qu'on change déjà? Je sais plus. Voilà, c'est bon. Voilà. Comment qu'on change? Ah. Ah, attends, attends, attends. Bon, cadeau. C'est bon, on l'a eu? Ah oui, il y a un truc à faire. Non. Ah. Là, il y avait un truc qui est apparu et qui a disparu. Non, non. Non. Ah, il est peut-être là. C'est pas ça. Non. Je sais plus comment qu'on fait. Comment on fait pour changer? Ah oui. J'ai plus l'habitude, hein. De trucs. Ah non, il y en avait un là, je l'ai pas vu. Je suis sûr que ça me donne des pièces détachées, je le vois même pas, je suis deg. Deg. Tiens, il y a un truc à exploser en bas. C'est nul, on trouve que du truc bleu là. Oh là là, il est là, bien horrible. Attends, attends. Tu nous donnes des trucs au moins? C'est quoi ça, c'est un essaim? Ah, on peut les arrêter, ok. Ok. Attends, attends, attends. Ok. Il y a des trucs qui se passent. On a de la vie. Tu viens avec nous? Ah oui, je les aime pas. Ah, on a pas assez de monde. Ah, ok.
on a plus de bombes. Voilà. C'est comme ça, c'est fait. Qu'on trouve des bombes. Ah mais non, mais arrête de venir aussi. On a retrouvé des bombes hein, grâce à ce champignon magique. Ok. Alors, revenir ici, d'accord. Ok. Il y a le dodo là. Ok. On a pas assez. Ok. Salut. Mais la charge bleue, c'est pas incroyable. C'est un sort de zone. Après, on... les champignons, ils sont bien. Hein. Ils donnent des trucs, mais bon. C'est pas incroyable non plus, quoi. Ah. Bah, bien sûr. Quelque chose pour traverser, j'imagine. On va passer par là. Attends, on va essayer de choper le dodo quand même, parce que j'ai l'impression qu'il va nous donner un truc. On va reprendre un peu de vie d'abord. Ah, c'est tout? Là, il a pas chopé le dodo, là. Hein. Oh là là. Ah, si tu l'utilises une fois, c'est fini, quoi. C'est dead. Bon, on repasse par là, du coup. Super. Très heureux. Des trucs. Ok, on peut pas passer par là. Voilà, comme ça c'est fait. Salut. Voilà. Mais non, je l'ai encore loupé. Deuxième fois. Dale. Attends, ça veut dire que si on quitte... Attendez, on l'a déjà fait lui. Et qu'on revient, il est là. Ok. On va l'avoir. Je suis dégue. Ok, on a plus de, plus de munitions. Dane! C'est moi où il crache des cookies? Il m'énerve. Ça sert à rien en fait de faire ça là. On a rien en, en gain. Par claquer sa bouffe. Là. C'était très constructif. On n'a rien gagné. Je l'ai touché là. Voilà, là je l'ai touché. Allez, écoute-toi. Ah, des munitions. Ok. Donc on a fait tout en bas, donc on va aller tout en haut maintenant. Bonjour. Au revoir. Aïe. Aïe.
Des radis blancs. Ça me fatigue. Il se fait pas attraper lui. Bon vas-y. Te fais pas attraper, qu'est-ce que je te dis? Ah ça y est, c'est bon. Ok, on va sauvegarder, on va se faire un peu de la bouffe. On va en bas d'abord. Ah, on peut passer par là. On va faire ça. Tout de suite. Ah non! Je l'ai vu encore au dernier moment. Je sais pas à quoi ça me sert, mais ça me sert, c'est ça. Il y a un truc à faire avec ça. Non. Ok. On va jusqu'où? Jusque là. Magnifique. Je suis très heureux. Allez, on repart dans le sens. Peut-être que on va pouvoir. Ah non, bah non. Peut-être qu'avec avec elle. On va peut-être pouvoir avoir le scarabée. Lâcher un gros, mais bon, pas très intéressant. On a plus de munitions, on a plus rien, c'est pas trop le problème. C'est pas un problème tout ça. Ah bah on peut dormir ici, c'est trop bien. C'est... Ah bah tiens, munitions, vie, munitions. On sauvegarde. Dès que vous tombez sur moi dans la nature, profitez-en pour sauvegarder vos souvenirs. On ne sait jamais ce qui peut vous attendre au prochain tournant. Bien, on sauvegarde, hein, écoute. Tu nous le proposes. On va faire un peu à manger. On n'a rien de plus. Ah si, on a les daikons en même temps. Petite salade. On n'a pas trouvé deux. Donc voilà. Ça va le chacha. Ah mais c'est bientôt l'heure, c'est pour ça que t'es là. Ça va? T'as bien fait de dos? Oui, petit chat. Je sais. It's time to lunch bientôt. On va faire un petit mélange, on va voir ce que ça donne. Viens, petit chat. Viens. Bon, on teste des trucs. On fait des salades. Tu. Arrête de t'emmêler avec Luffy, par contre. Hein. Ah, mes lunettes, est-ce que ça glisse?
Ça va? Et on avait fait un truc avec 4 fois ça, fruits des sables. Hein. C'est toi qui fais des tours. Le fruit des sables est dur comme du bois. J'avais oublié ce soir. Ça nous donne 6 points de vie quand même. Voilà, on est plein. Salut! On va peut-être sauvegarder. Parce que bon. Histoire qu'on perde pas toute notre bouffe et qu'on est à le refaire. Bonjour le corbeau. Moi, je connais que la technique comme ça, hein, voilà. Là je le touche pas. Ah oui, il est accroché, excusez-moi. Bien, bien choper le petit chien. Voilà. C'était un boss ? Ok. Mais c'est incroyablement bien joué, ça! Ah, c'était juste ça! Après tout, la princesse va pas faire appel au premier clampin venu. Vous inquiétez pas, on se charge du reste du boulot. Qu'est-ce que vous foutez encore planté là, de pendant un gras? Au boulot! Mais monsieur, vous êtes méchant, un peu. C'était juste ça à faire. Je veux voir ces voix aujourd'hui. Même si je dois vous coller les marteaux dans les mains, moi-même, sale pleurnichard. Bah, super! Quant à vous, vous n'avez qu'à monter les escaliers et prendre à gauche, et vous arriverez à la vieille ville. Ok. Mais je me demande bien ce que la princesse a en tête. Vous trouverez rien d'autre que d'affreux monstres pleins dents pointues là-haut, je vous le garantis. Hé, on a une certaine expertise en ce qui concerne les monstres. Expertise ou pas, restez bien sur vos gardes. On vous attendra ici. À votre retour, vous trouverez de belles voix toutes neuves pour vous ramener à la maison. Bonjour. Ce vieux quête date vraiment pas d'hier. Je reviens pas qu'il tienne encore debout. Ça va me faire gagner du temps. Quelle chance, ce vieux machin marche encore. Vous avez déjà vu l'un de ces réfrigérateurs parlants? Ce sont des fascinantes reliques d'un passé depuis longtemps révolu. Non seulement ils conservent les aliments à la température idéale, mais ils peuvent aussi vous stimuler intellectuellement grâce à leur capacité verbale poussée. Malheureusement, comme bien des reliques énigmatiques d'antan, ils ont la mauvaise habitude de vous embrouiller plus qu'autre chose. Ok. Vous êtes au courant? Il paraît qu'on peut voir un autre monde dans la neige de la télévision. Sauvegardez vos souvenirs, bien sûr. Alors, il n'y a plus de neige à la télé, monsieur le réfrigérateur. Bonjour, monsieur le patate. Fichu rail. Tout remplacé. Ok. Donc là, en fait, on était juste en dessous, c'est ça? Ok, d'accord. Donc, faut monter à gauche. Aux escaliers, là. Bonjour. Ah, c'est Gilly. Pour la vieille ville, vous avez qu'à prendre à gauche en haut des marches. Mais prenez surtout pas à droite. Ça va à la ferme du coteau. Et vous pouvez me croire, le vieux fossile qui s'y trouve fait plus peur qu'un monstre. Ok. Bon, là, il n'y a rien. Bon, on va à gauche, hein. Parce qu'ils ont dit à gauche, on va à gauche. Oh non, les cookies qui volent, là. Ça sert à rien, ça. Ah. Tu peux allumer, ça, ou pas? C'est par là. Mais je m'en fous des jetons. Donne-moi des pièces détachées. Oh. Tout ça pour collectionner des trucs qu'on a déjà en double. Bon, bah, venez. Regardez, je tourne. J'attends que vous tombiez. Voilà. Voilà, hop, un. Allez, viens, petit corbeau.
Petit corbeau, tueur de drone, descends. Bon, voilà, on a posé une... Tu descends? Pourquoi t'es resté en haut, toi? On a trouvé du citron. Ouah, il est dégueu. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce moustique? Ok. On trouve rien. Strictement rien, à part des chmous. Cookies des chou, des cookies chmous. Mais vas-y, tape-le, wesh. C'est bon, là? Ok, on a fait ici. On a fait là. On est passé par là. Voilà, il y a des ronces. Ah! Ça fait tulu? Par là? Non, c'était pas par là. Bon, attendez. Ça, c'est la vieille ville. Je sens qu'on va trouver un truc. Ah oui, d'accord. Du coup, il faudrait que je trouve l'outil qui va me permettre... Arrête de me jeter du sang, toi, là! Je te permets pas le vampire moustique. Ça sert à rien de récupérer du truc bleu, là! C'est... Ça me fatigue d'avance. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Donnez-moi des pièces. Comprenez que je n'ai pas pu augmenter mes outils avant. Il y avait trop de choses à acheter à côté. Bon. Est-ce que ton truc il sert au moins à débloquer ça? Non, même pas. T'as même pas assez d'énergie. Je suis dégoûté. Bon, allez, on continue. Ah, il y a la mousse. Il y a le miasme. Ah, il y a un cadavre. Un cadavre vivant. Je connais ça. J'ai vu des films de zombies. Ok. Bon, bah du coup, on va passer par là. Hein. J'ai vu, hein, ici, là. Non? Bon, ok. Tire une bulle d'énergie. Ah, on peut tirer une bulle d'énergie pour disperser le miasme. Et là, il y a une porte. On peut pas prendre la porte. Ok. Ok. Bon, bah, du coup, tu vas nous servir un peu. Super. Aïe. Attends, on n'a pas de vie. Attends, attends. Ah, on a toujours notre 3, c'est bien. Plus de vie, plus de protection, c'est très bien. C'est si compliqué de trouver des pièces détachées. On est obligé de se casser la tête à ce point-là. What? Bon. Bonjour, monsieur. Ah. Non, mais moi, j'ai pas de problème à mâcher un bouton. Hein. Je vous l'explique. J'ai déjà vu, en plus, Stranger Things. Il faut continuer. Avec vos têtes, là. Tête de fleurs. Le miasme. Tout ça, là, toutes les références que je vois. Là. Je vous juge, franchement. Bon, là, on peut pas aller. Même pas, tu me touches, même pas, tu me touches. Tu me touches pas, 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 t'inquiète. Voilà, tu m'as jamais touché. Et j'ai jamais rien gagné avec toi, mais c'est pas grave. Par contre, si vous êtes plusieurs, là, on en parlera, mais là, pour l'instant, ça va. Hein. Bonjour. C'est pas du tout réverbatif. Vous inquiétez pas, on est là, on est là, on est là. Ah, enfin du sel. Putain, il faut en taper au moins 3... C'est infernal. Excusez-moi, mais on a autre chose à faire, là. Ok, on va passer par ici. Bon, bah voilà, on a déplacé ça, c'est qu'on est content. Ok, maintenant c'est un puzzle, donc il faut faire dans l'autre sens. On connaît l'histoire, on connaît les bails, on connaît les beaux. Voilà,
On tire. Super. Merci. Au revoir, monsieur, dame. C'est toujours agréable de travailler avec vous. Donnez-moi autre chose que du bleu, là, s'il vous plaît. Ah. Cette petite bombe aurait pu être importante. Ah, ça pique, ça. Voilà. Et si ça pique, je fais comment? Ah d'accord, ok. Donc faut que je tue, faut que je fasse tomber le truc. Ok. Du coup on va utiliser bah, ça. Tiens. Non, c'était pas suffisant. Attends. Tiens. Non, toujours pas. Voilà, c'est bon. Et là, de l'autre côté, du coup... Bon, on a appris à se débarrasser des plantes. Ok. C'est un bon truc. Ah, on peut utiliser les flingues, ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va aller en bas. Du coup, je peux passer par là. Ok. Bon, ça, c'est un bon point. Déjà, on peut rattraper par ici. Ok. Et là, on peut aller là, non? Non, du tout. Du tout. I'm happy. I'm happy. Ok. Ah. Attends, c'est pas ça que je voulais faire. D'accord, du coup, ouais, là il faudrait se débarrasser du truc. Bon, j'attends de trouver le truc rouge là, qui sera mon pouvoir. J'espère. Ah, je l'ai vu se former à la fin. Pardon. Qu'est-ce que je suis censé faire, hein? Ah, c'est fermé, faut que j'aille en bas, ok. Eh bien voilà, et je vais prendre de la Vix, merci. Mais des pièces détachées, s'il vous plaît. Oh non, un boss, vas-y. Ah, oh, c'est boss corbeau, ça. Là. Je connais ta douille, il faut juste tourner en rond et on attend que tu descendes. Sache que je suis trop fort. J'ai joué à Dark Souls. Ah, ça vient ad vita aeternam. Si tu veux. Avec la poêle, sans utiliser munitions. Ah. Excusez-moi, bonjour. Ah, 3, c'est dur. Ok, on va changer d'arme. Mais calmez-vous! Attendez. Il se passe quoi là? Mais. Bon, ok, faut faire du corps à corps quand ils sont comme ça. Voilà, comme ça c'est fait déjà. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Genre. Pourquoi ils partent tout de suite là quand je les touche? Revenez! Je veux vous... C'était le dernier, vas-y, tu vas pas me tuer maintenant, mes 18 cœurs là.
Allez, allez. Vas-y, mais ils sont moins marrants, là, tout de suite, là. C'est long, on descend. Et Manu. J'ai pas le time. Mais pourquoi? Pourquoi il se fout sur moi, comme ça? Oh là là. Mec, il est dans ma frame d'invincibilité, il est dans moi, quoi. Mon cul, hein. C'est elle qui a pas voulu venir. Viens. En vrai, c'est elle qui a pas voulu venir. J'ai dû me faire le boss tout seul. Gâcher de la munition pour rien. Ah, un couteau. Mais génial. Je veux le couteau. Mission accomplie. C'est sûrement le four gélatino. Tu ne crois pas? Assistante de laboratoire jaune, retournons à Barrageville. C'est ça qu'il faut ramener? Une petite minute. Bien le bonjour, aventurier. Oh, bonjour, monsieur le robot. Oh, je t'en prie, je préfère qu'on m'appelle le rebelle, Sonic. Je suis l'assistant de labo numéro 1 d'Alva. Donc 001. Alors, c'est vous l'assistant de laboratoire 001? Oh là là, trop cool. Eh bien, monsieur le rebelle Sonic, enchanté de faire votre connaissance. Je suis l'assistante de laboratoire 002, Sam. Dans ce cas, je présume que ce gentleman est l'assistant de laboratoire John. Ça alors, vous en connaissez un rayon, monsieur le rebelle Sonic. Oh oh oh, ce ne serait pas la première fois que je stupéfie mon auditoire grâce à mon énorme réseau d'informations. Alors, c'est à vous qu'on doit faire notre rapport. On a trouvé le four gélatino-gélatinaire. Ça, c'est juste le pistolet à eau dont papy se servait pour arroser les plantes. Les fleurs. Papy? Ah, je veux dire... oui, c'est un pistolet à eau tout à fait ordinaire. Ni plus, ni moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être utile. Laisse-moi le regarder de plus près. Conception robuste, il est encore en état. Si je mettais un peu de carburant là-dedans. Et un allume-feu ici, avec un robinet là. Et voilà, tu as le droit à... un lance-flamme, puisqu'à essayer cette beauté. C'est franchement une arme qui déchire sans vouloir me vanter. Je vais l'appeler... le sceptre des flammes. J'étais sûr que c'était un sceptre. Chacha. Et voilà. Et du coup, il a transformé mon... ah bon, ça va. Le sceptre des flammes, classe. Pas de temps à perdre. Essayez de griller quelque chose. Comme ces plantes là-bas. Et voilà, on va faire le nettoyage. Mais attention à ne pas vous griller le derrière. Et au fait, le four gélatino-gélatineur que vous cherchez, quelque chose me dit... qui se trouve dans ce bâtiment là-bas, juste après les plantes, que vous pouvez désormais réduire ensemble comme c'est pratique. Ah oui, ça me revient. J'ai quelque chose de très important à faire. Mais si vous avez le moindre ennui, n'hésitez pas à faire appel à moi. J'arriverai à la vitesse du son, Rebelle Sonic, car je suis le Rebelle Sonic. Ah, mais il est à nous. Et on le charge. Voilà l'histoire de la batterie. Et ben voilà, il était chargé à 100% parce qu'on l'a chargé à 100%. C'est magnifique. Au revoir, demoiselle. Merci, au revoir. Agent 001. Bon, du coup, on a notre pulvérisateur de... ces monstres, ces pauvres R qui arpentent ces rues, je veux dire, ils viennent souvent ici. Ils posent sur moi leurs yeux vides et pourtant pleins de peine, sans dire un mot. On avait dit qu'il fallait revenir au début pour récupérer aussi... ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ok. D'accord. Merci, 12 bis. D'être là pour faire le travail que nous décidons de ne pas faire et que nous avons automatisé auprès d'un robot. Il y avait des endroits où j'étais pas passé, hein, donc on va aller check. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Alors la map. C'était en bas, je crois. Hein.
Ah là, c'est ouvert. Attends. Oui, c'est par là. Bon. Hop. Je fais que appuyer très rapidement dessus, hein, je précise. Fais me faire avoir. Il est où? En bas. Ok. Ah oui, bah oui. En fait, faut que je cumule les deux. Quoi? Outils? Onde d'énergie. Oui, mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Alors, on va utiliser la bombe. Voilà. On va se mettre là. Voilà. Et ça revient à l'intérieur. Ah, d'accord. Ok, j'avais pas vu. Excusez-moi. Donc faut un peu se brûler, hein. Carte amie de Johnny. C'est intéressant, ça. Ça veut dire qu'on a un pass pour se payer des trucs. Là, on peut monter. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Un nouveau monde. De toute façon, on va revenir en bas, non? La clé, on l'a utilisée? Je sais même pas. On l'a utilisée, la clé? On l'a ou pas? Je sais même pas. C'est où, la clé? On sait pas. Bon, bah, on continue en haut, hein. Écoutez, de toute façon, ça a l'air d'être pas là. Petit chacha, s'il te plaît. Petit chacha. I know what you want. I know what you need. Est-ce que cette ref à BTS, ça vous a pas traumatisé, j'espère? Vite là. Voilà, c'est bon. Ah, attends. Je vais essayer sur toi. Non, ça n'a pas l'air d'être très efficace. Ça pousse vite, hein, quand même. C'est le bestiole. Et là, si je descends, j'arrive où? Ah, pardon, la carte, s'il vous plaît. J'arrive là. Bon, on va monter d'abord. Ok. Mais non, viens avec moi. Viens ici. Mais je peux pas ouvrir cette porte si je l'ouvre, là. Non? Je sais pas. Non. Et de toute façon, c'est cette porte-là. Mais là, si je passe, là, je descends. Je veux pas descendre. On va descendre d'abord. On va aller en bas. On va voir ce qu'il y a. Ah bah voilà. On peut faire à manger. Une soupe d'oignon? BG! Poule poule. On va faire un mélange bizarre. Ah, on peut pas. On n'a plus rien. J'ai du mal à saisir, hein. On est passé par là ou pas?
Ah! Bon là? Ok. Oh! Ah, ça fait ça du coup? Attends. Ah, je comprends maintenant pourquoi... Oh là là. Attends, on a plus de vie. Attends, 2 minutes. Il nous faut de la... Il nous faut... As de vie. Voilà, merci, as de vie. Oh là là. Ah ouais, non mais... En fait, je suis pas ton bon ami. Ah, c'est fini. Je crois que c'était clairement pas dans ce sens-là qu'il fallait aller. Mais on y va. Ah bah, il y a de la vie en plus, là. Très bien. Allez, va se bloquer dans l'encadrement. Dans l'encadrement. Allez, voilà. On a gagné de la vie en vain. Allez, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Avant de commencer à faire le tour. Parce que la tape, elle est en bas, j'imagine. Voilà, magnifique. On a bien fait de descendre. Allez, on monte. Bili, 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 bili. Pas du tout, je m'ennuie. Bon. Là, il faut que je lui lance un peu de lance, là. En fait, je sais pas jusqu'où on peut aller si on n'a pas fait le truc. Donc, on va se dire qu'on prépare le terrain. Hein. Ah, d'accord. Ça va plutôt vite. Ok. Ah oui, d'accord. En fait, il reprend vraiment toute la place. Vas-y, casse-toi, toi. Mais c'est pas ça que je veux faire. Ouh là là. Ouh, ça va vite. Ça va très très vite. C'est bon là? Ok. On arrive, petit truc. On arrive. Attends, comment on fait pour aller là? Alors là, vous êtes en train d'admirer ma faculté d'éviter à faire des trucs. Je sais pas comment vous expliquer. J'adore ne pas faire les quêtes. Donc là, vous voyez que ma capacité à tester le jeu, entre guillemets. Là, je vais jusqu'au bout. Et on verra. Mais donne-moi la thune, mais je veux des pièces détachées. Tout me plaît dans l'histoire. Oh là là, je l'ai tapé 2 fois. Et donc là... D'accord, ok.
Faut que je sépare. Ok. J'ai l'impression que c'est ça. Non. Si, c'est ça. Je sais pas. Je vois pas trop comment je pourrais faire pour passer de l'autre côté, hein. J'avoue. Ah si, c'est parce que c'est la petite qui doit passer dans le trou. Ah. Ok. C'est ça l'histoire. Et du coup, elle peut casser le truc ou elle fait juste passer? Ouais, j'imagine qu'elle fait que juste passer. Allez, hein. Ok, c'est tout? Tu restes là? On fait comment? Pour la se faire sortir? Ah, il faut que je rebrûle le truc. On va devoir venir dans l'autre sens. Hein. Très mauvaise idée ce que j'ai fait en fait, au final là. Bon là je peux rien faire. Attends, j'achète des trucs. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Bon, de toute façon, on n'a rien trouvé. On va se regarder là. Finalement, c'était peut-être pas la suite. Hein. C'est ça le truc. Ou c'était juste la sortie. Et du coup, on a fait tout le tour. Mais ça me paraît étrange parce que là, j'ai du mal à comprendre comment on aurait pu faire dans l'autre sens. Hein. Alors attendez, on va traverser ce truc là, juste pour revenir en arrière. Ah mais en fait j'avais pas de vie. Ah j'avais 3 vies. Attends. Je me fais toujours brûler. Hein. Je vais me faire voir. Ouais, c'était limite. Bon, bah écoutez, ça sert pas à grand chose d'avoir de la vie hein, dans ce monde.
Waouh. Waouh. Attendez, il y a des choses qui se passent là, je comprends pas. Ça va trop vite. On va aller en haut en fait. C'est peut-être plus simple. Mais pourquoi c'est revenu ça? Mais je peux pas taper ça en fait. C'est ça l'histoire? It seems so. On peut casser avec le... Ok. Alors, attendez. Mais j'avais encore 3 vies, là? En fait, on meurt, on revient là exactement à quel niveau on était de vie. C'est ça, l'histoire? Oui. Ah oui, d'accord, il y a tout, en plus. Ok, bah, écoute... J'ai vu que ça se cassait en même temps, donc on va faire ça. Donc celui-là, on peut pas le casser. Bon, vas-y, on se casse. Allez, viens, viens avec moi. Tu fais quoi? Ah, on peut pas passer par là. Bon, ça sert à rien de passer par ici, du coup. C'est vraiment gratuit, ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire un truc, mais ça sert à rien. En fait, celui du milieu, il fait tout, ça sert à queue de ce que j'ai fait. À queue de. Bon, on va passer par là, du coup. Quoique, attends, non. Je dis non. Je refuse. On va revenir en haut. Là où on avait abandonné, là. C'est où, déjà? On a déjà tout fait? Ah oui, c'est la dernière, c'est la pièce tout en haut. Bon, on va monter. Ah, puis on verra après. Ah, mais... Ah... Je suis obligé de faire tout dans l'inverse. Bon, vas-y, on abandonne, hein. C'est pas grave, on reviendra plus tard. Salut, hein. Ciao. Hein. C'est... On est vraiment passé dans l'autre sens. Ah là là, blague. Petit chat, calme-toi. Petit chat. Attendez, je crois qu'il va falloir que je fasse une pause, 2 minutes. Re. Le chat a fait un enfer pour manger. Bon, on est parti. Bon, donc du coup, on est parti dans l'autre sens. Ce qui est très rigolo. On fait le niveau dans l'autre sens.
trop bizarre. Ce truc doit ouvrir la porte, non? Jon. Hé, je sais que tu es là. Alors sors de ta cachette, tu m'entends? Cette usine est dans un état lamentable. Garde inutilisable, robot nourrice parti, on ne sait où. Apparemment, je vais devoir trouver une autre solution. Et comment on est censé sortir d'ici, nous? Chambre de culture endommagée, chambre de culture endommagée, le spécimen s'est échappé, le spécimen s'est échappé. Ah, ça ne va pas du tout. Comment on va sortir de là? Oh, toujours aussi vive à ce que je vois. Mais as-tu déjà pensé à te servir de ta tête pour une fois? Peu importe, au plaisir, moi-même. Du coup, on est dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Je comprends pas, là. Jon, on dirait que la porte est ouverte. Je suis censé passer par où, là? Chambre de culture endommagée, ouais, ok. C'est par où qu'il faut passer? Parce que là, je peux pas passer, hein. Ah, et ben voilà. C'est là qu'on est bloqué en fait. Ok, on peut pas faire dans l'autre sens. D'accord. Alors, du coup, on a la fin quand même. Voilà, on a le boss. Ok. Bah, bonjour. Oh, c'est quoi ce truc? Bah, écoute, j'ai envie de te dire, die. Pas beaucoup de munitions. Hein. Ah mais c'est elle qui a pris le coup, c'est pas moi. Je sais pas si c'était une bonne idée de passer dans l'autre sens. Ah non mais là on va être bloqué tant qu'on n'a pas. Oh là là. Ah ça va être complexe. Je pense que je peux l'arrêter avec son pouvoir. Okay. Ok. D'accord. J'apprécie. On peut utiliser le radio supersonique là, juste vite fait pour voir ce que ça donne. Munitions et bon. Ok. Y'a pas le time! Alors attends, on prend une vie, juste 3 secondes. Ok. Je pourrais faire un enchaînement en fait. Oh. C'est une chose bien compliquée. Voilà! Et là, vous venez de voir comment finir un jeu sans faire tout le niveau. Bon, bon, on essaie d'aller dans le bon sens du coup, hein, maintenant. On va re-sauvegarder vu qu'on a fini. Ah là 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 là. Quelle carotte. Bon, je vais faire un marqueur maintenant, comme ça fera la fin de cette VOD pour la deuxième partie du jour. Je vais voir jusqu'où on avance. J'ai encore un peu le temps.
Et le chat va pas m'embêter maintenant. Donc c'est très bien. On va essayer d'avancer dans l'autre sens. En fait, le truc, c'est qu'il faut que je sois séparé, c'est ça l'histoire. Donc tu vas là. Hein. Tu montes. Et moi, je monte. Ah, comme ça, on est bon. Ok. En fait, on perd trop de vie là dans cette histoire. Oh là là, ça allait trop vite. Le feu, ça brûle. Attention. Bon, bah du coup, on part dans l'autre sens, hein. J'ai envie de vous dire. Alors... J'adore, c'est très rigolo. Bon, ça on l'a déjà fait, donc ça c'est cool. Ça veut dire qu'on sera bien équipé quand même pour dans l'autre sens. Je sais pas si on va refaire le boss du coup. Maintenant que je sais que c'est des folichons, on va pas y aller. Hein. On va pas les laisser faire. Non. C'est ça. On monte. Ouais, il faut monter. Mais en fait, je veux pas t'avoir dans mes pattes. Attends. Attends, je prends de la vie. Bon, ok. C'est bon. De nous embêter. Je croyais qu'il y en avait deux. Je croyais qu'il y en avait deux. Ah oui, ça c'est pour faire manger, on s'en fiche. Et du coup, c'est là. Oui, c'est là. Le début de l'entrée. Ah, c'était juste ça. En fait, on a fait du bon côté du coup, en vrai. Attends. Bon bah c'était bon alors du coup, on est parti du bon côté, mais on allait oublier nos pièces détachées, et ça c'est bien. Donc c'était un boss selon les termes du boss, c'est-à-dire il avait pas envie. Ok. Bah du coup on a fait tout le tour, tac tac tac, oui ça c'est bon, on est descendu. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille de l'autre côté du coup, parce qu'il y a une porte qu'on n'a pas ouverte j'ai l'impression. Donc on va aller du côté de la porte ouverte, fermée hein, plutôt. Et il y a une sorte de petit passage aussi qu'on n'a pas fait. Est-ce que c'est par là? Je sais plus. Pas taper ça de toute façon. Oui, ça doit être par là. Et là on descend et là il y a la porte. Ok. La porte à clé qu'on a ouverte du coup. Ok. Et là en fait si on continue en bas, il y a une sorte de salle. Que la dernière fois on n'avait pas passé. Ouais, c'est ça, c'est juste après. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur. Non! Pourquoi je me suis arrêté? Pourquoi je me suis arrêté? Faut pas que je m'arrête avec eux. Ce serait bien d'avoir de la vie, genre.
genre de la vie. Non? Genre on tabasse des gens et ça nous donne de la vie, genre. C'est, ça existe, ça? Dans le vrai monde véritable de ce jeu? Non, on va die. Hein. Je me fais toucher encore par une plante, je meurs. C'est un peu pété, hein. Et là, je peux pas passer, du coup. C'est intéressant. Trop bizarre. Comment qu'on fait? Bon. Ok. Oh, j'ai plus rien. Oh, j'ai osé y aller. J'ai osé y aller. J'aurais peut-être pas dû. Ah, mais ouais, mais maintenant j'ai toujours pas de vie. Je suis très heureux. Très heureux de cette tête faite. Hein. Bah, je descends, je vais récupérer de la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? J'ai pas de vie. Pourquoi ça apparaît quand j'arrive? C'est bucket. Bon. Si ça se passe comme ça, on va charger. Ça sert à rien de charger. C'est magnifique. Voilà, c'est bon là. Okay. Bon, il y a des caisses en bas, ça peut nous aider. Peut-être qu'il y aura de la vie. On va abandonner d'essayer de traîner dans le coin. Je suis à 77% de capacité. Ce qui veut dire que là, tu vois, par exemple, ça, c'est pas censé arriver. Eh, mais ils veulent ma mort, en fait. Le rebelle Sonic est prêt. Bon, c'est très bien. Toujours pas de vie. Remarquons-le. Personne ne nous donne de vie autre que des vieux pots à des endroits pétés. Incroyable. Tu nous donnes de la vie, toi? Non. Dane. Bon, ok. Bon, on va dans l'autre sens, alors. Je veux bien aller là sur le côté, voir ce qui se passe de ce côté-là. Avec un point de vie. Ah, attendez. Oh, ça c'est un coup à mourir, je sais. C'est pas grave. Hein. Wouah, le truc apparaît au dernier moment, mais. Dane! Bon, là y a rien, il y avait les perruches. Voilà. Et là, en bas, il y a un truc. Un peu gris. Ah voilà. Ça me fait passer par ici. Ok. Et là, je peux descendre ou pas? Il y a une porte là? Non. Là, c'est où j'ai trouvé mes affaires. Ok. Mais la porte en bas, je comprends pas où elle est censée nous amener en fait. Je situe pas. Bon, on va passer par là. Il nous a dit, ouais, tu peux passer par là, tu sais, t'inquiète. Par là, c'est le chemin. Ouais. Bon. On revient au même endroit, quoi. C'est ça l'histoire. Oui, c'est plus court. Tu te retrouves au même endroit qu'au début. Tu te fais pas embêter. Tu passes par là pour pouvoir repasser au même endroit où c'est pété. C'est nul, il y a rien. On n'a pas de vie, on touche des trucs bleus, on s'en fout. Incroyable. Voilà, là on a fait, c'était super chiant. Toujours pas de vie. Génial, que la vie est belle. On descend. Toujours pas de vie. C'est quoi ce jeu là? Pas de vie, pas de bouffe, y'a rien. C'est où qu'on trouve de la vie? Donne-moi de la vie!
Bon, ok. Il a essayé de faire quelque chose, mais il a compris que j'avais battu le boss, et ça, en fait, je peux pas... Pas faire plus, c'est ça? Ah non, mais il y a l'autre qui court, là. Alors, comment je vais faire? Oh, faut que je stoppe. Vite! Oh, on va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Tout d'un coup, l'idée de faire le jeu dans l'autre sens était pas vraiment à l'envers. Ah, il va me saouler. Faut que je l'arrête, faut que je le fusille. Ça va pas changer grand-chose, il va bouger. Faut que je l'arrête, faut que je le fusille. Ça, c'est un coup, en fait. Faut juste que je passe. Donc, je vais juste passer. J'étais en train de me retourner pour le fusil, pour le bloquer, mais non. Bien sûr que non, ça aurait été trop simple. Donc, je vais utiliser le lance-flamme et je vais prendre un coup quand même. Parce que le lance-flamme, en fait, le truc, c'est on est obligé de prendre un coup. Donc, on va bloquer celle-ci. On va s'en débarrasser. Oh, il y avait un point de vie. Alors là, j'ai pas compris. Et à chaque fois, j'ai le droit de pouvoir le démonter. Mais non. En plus, il a fait un 360. Incroyable. Donc du coup, il faut que je re-récupère un point de vie. Toujours pas un point de vie. Bon, alors là, on va devoir y aller. Oh! En fait, il faut que je passe, que j'aille là où j'étais, que je le rebloque. On est bien, on est bien. À la recherche d'un point de vie. Sinon, j'utilise son pouvoir. Ça sert à rien. Ça sert à strictement rien. J'ai claqué un truc, ça sert à rien. Oh! Allez, 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 allez. Oui, on est passé, on est passé. Toi, tu m'embêtes pas. Toi, tu m'embêtes pas. Pars. 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 Toujours pas de vie. Si, on a eu un point de vie. C'était par là qu'il fallait? Oui. It seems so. Bon, on continue. J'ai pas compris, du coup, ce qui se passe. En fait, on est bloqué de l'autre côté aussi. Parce qu'il y a la porte qui s'est ouverte, mais on passe par où? Par la porte, du coup. Que d'interrogation. Bon, on va voir. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Toujours pas de vie, hein. Marquons-le. C'est incroyable. Oh, faut que je repasse ça. Purée, j'avais oublié cette histoire. Oh, je vais mourir. C'est sûr. Faut que je sois calme. J'étais calme. La team 1 PV quand même. Hein. Magnifique. Au moins on a passé l'autre énervant là. J'ai failli mourir. Again. Peut-être acheter des trucs. Hein. On peut acheter des trucs ou pas? Voilà, on va acheter ça. De la vie. On va acheter de la vie. Voilà. Donc maintenant qu'on est équipé, qu'on a tué un boss, je ne comprends pas où on doit aller.
On va sauvegarder ici. Parce que la porte elle est ouverte, mais comment on traverse du coup? Oui, t'inquiète. La porte était ouverte, on a tué le mec. J'espère qu'on va pas le retuer pour le délire de tuer des gens. Ok. Donc là, nous, par exemple. Donc là, on a fini, ça a l'air bien. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien en fait, on peut rien faire. On peut pas passer au-dessus. On peut pas aller en bas. On peut pas aller là. Oui, en fait, le spécimen qui s'est dégagé, c'est juste le mec qui était là. Donc en fait, il y a rien qui change. Pour l'idée. Le mec est sorti, mais d'accord. Tu rentres ici, tu vas dedans. Tu ressors. C'est tout? Je comprends pas. Je comprends pas en fait cette phase là. À part, ouais, super, on s'est retrouvé. Maintenant on descend. Qu'est-ce qui se passe en bas? Il y a des trucs en bas ou pas? Non. La carte a dit quoi? Rien. C'est génial. Je suis très heureux. Je comprends pas où on va. Et là j'ai cassé un truc, n'empêche. Donc ça pourrait juste être ça en fait, juste de casser les trucs, mais ça me sert à quoi? À part être bloqué ici en fait. Et la porte elle est toujours pas accessible là-bas. Je ne comprends pas ce monde. Je ne comprends pas. Bah écoute. On va juste essayer de faire un truc. Je vais juste essayer de faire un truc. On a de la vie, il y a moyen. Parce que là, il y en a un qui est resté cassé, donc du coup, il est possible qu'en fait, donc qu'on casse tout, mais je... Bon, alors, la porte est ouverte, donc on essaie... Normalement, c'est là. Je ne situe pas trop comment on pourrait passer, mais... On n'a pas de carte, en plus, à l'intérieur, donc... Ah, là. Ah, mais oui! Bien sûr! Ça paraît logique! Le truc qu'on ne voit pas. Il faut regarder le sol. Et voilà, on a fait le tour. Là-bas. C'est forcément le four gélatineur. Et c'est un obstacle que je vois. Oui, c'est une mission idéale pour le rebelle Sonic. La situation risque de devenir quelque peu explosive dans le coin. Vous devriez reculer tous les deux. Encore. C'est bon, on est assez loin là. 5, 4, 3. 2. Ah oui, c'est vrai qu'il compte mal le Rebelle Sonic. Hé, j'ai encore fait le coup. Mais admirez le travail, c'est si grand, ouvert, que ça vous suppirait presque d'entrée. C'est vrai, c'est propre. Je vous laisse, vous chargez du reste, fidèle assistant de laboratoire. Journal mis à jour. Bon, peut-être qu'on fera une pause ici, en fait. Je sais pas trop. On verra. Vu qu'on a trouvé ça, au moins, il y aura la petite galère en plus de nettoyage. C'est pas grave. Ah, donc on a fait tout le tour, vraiment. C'est bien. On va passer par là, toujours. Ok.
Il y avait un autre truc du coup qu'on n'avait pas réussi à choper tout à l'heure. On va pouvoir aller le chercher. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le moustique de l'enfer. Je l'ai spammé. Je l'ai spammé. On va pouvoir augmenter des trucs. Ah, j'avais oublié qu'il y avait des chmous. Des chmous. Bon, nous on veut pas avoir de problème avec vous, monsieur les. Voilà, hop, salut. Là, il y avait quoi déjà? Je sais plus. Rien. Again? Rien. Ah si, peut-être là. Ah voilà, fait. Ah, il y avait un autre passage! Ah, ok, hein, d'accord. Laisse-moi vivre, la chmou. Ouais, mais les chmous qui perdent... On perd un demi-point de vie, quoi. C'est... Non, c'est un quart pour une chmou. On est revenu, Jon. Et regarde, voilà Mung. On dirait que tout le monde nous attend. Bon, on a fait le travail. Hein. Vous croyez qu'on les reverra un jour? Va savoir. Ces vieilles ruines, le miasme leur a fait pas de cadeau. Il reste peut-être de cette saleté dans les parages. J'ai entendu des rumeurs, vous savez, sur ceux qui pénètrent dans la ville. Ils se changent en zombies. C'est vrai. Moi aussi, j'ai entendu parler de ce mythe. C'est absolument terrifiant. Mais ces deux-là, c'est quelque chose. Quelque chose, ça veut dire quoi, ça, patate? Rien de précis. Une impression. Une impression? Non, mais sérieux, vous, les robots et vos impressions. Que le bon pressentiment de patate soit fondé ou non. Une fois que le soleil atteindra l'horizon, il risque de passer un sale quart d'heure. C'est pas bientôt fini, c'est pas l'hiverne. On va se quitter là. Hein. C'est la princesse en personne qui les a envoyés. Alors ils vont pas se laisser impressionner par quelques monstres un peu flippants. La princesse? La souveraine de notre monarchie constitutionnelle. Elle prépare un agent pour combattre le miasme. Quelle ferme incroyable. Et Isabelle aussi, une acrobate aérienne qu'on n'a jamais vue. Ah, quand elle traverse le ciel dans sa fusée, ça tient franchement de l'art pneumatique. Notre patron aussi, un artiste à part entière. Un peu mon neveu. Enfin, il suffit de voir à quelle allure on a réparé le métro. Les voilà, ils arrivent. Et bien plus tôt que je pensais, en plus. La princesse a vraiment un œil de lynx pour opérer les personnes douées. Alors les amis, quoi de neuf? Vous avez accompli votre mission? Venez, venez, tout le monde vous attend. Que la fête commence. Ben voilà, il y a une fête. Mais génial. Pour vous remercier de l'immense service que vous nous avez rendu, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à bord en tant que premier passager du seul et unique et tout juste restauré métro de Barrageville. Un métro? Mais ces voix, on dirait les mêmes que celles de Charon. On va reprendre le train, alors? Mais Jon, on ne devait pas rentrer à Barrageville? Te fais pas de bile, ma petite barbe à papa, vous allez rentrer à Barrageville et de la façon la plus rapide. La plus cool, et la plus tellement pratique que vous ne saurez pas comment vous avez pu vous en passer. Le tromé. Alors attendez, est-ce qu'il y a RATP dans le son? Non. Le train 13 bis en direction de Barrageville est arrivé à quai. Veuillez descendre et faire attention à la marche. Ça alors, encore une gare. Je parle comme l'autre. Ça alors, encore une gare. On est de retour à Barrageville? Exactement, Miss Bouclette. Il y a juste cet escalier à monter et tu te retrouves directement à avenue de la princesse. Ah, j'ai failli oublier, tiens. De la vie? Votre carte de métro, trop bien.
Le Pass Navigo, c'est une carte de métro. Avec ça, tu peux prendre le chemin de fer gratuitement où tu veux, quand tu veux. Le métro sera toujours là pour toi. Mais ça suffit pas comme ça. J'ai du travail. Ça suffit comme ça, plutôt. Pardon. Mais si vous comptez passer un peu de temps en ville, disons qu'on risque de se recroiser souvent. À bientôt dans le métro. À bientôt dans le métro. Bah, à bientôt dans le métro, hein, j'ai envie de te dire. On passe par là, non? Non. Salut, le métro. Bonjour, vous êtes le contrôleur? Bonjour, on n'a pas encore fini notre mission. Bonjour, vous avez entendu la voie ferrée permettant de sortir de la ville et réparer. C'est une occasion en or. Vous allez, on dirait Monsieur Hercule. Toujours aussi averti et perspicace, monsieur. Comptez-vous mettre en place de nouveaux itinéraires touristiques? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais avant, je me disais que, eh bien, vous connaissez Jennifer? Elle rêve d'avoir l'une de ces perles géantes de la vallée des secousses. Reste à trouver comment lui en procurer une. Ok. Bah, kiff, hein. On finit la mission. On check le pass gratuit, là. Oyé, oyé! Imbécile de Barrageville, je suis le moissonneur. Ah bon? Salomon. Et la fin est proche. Tu te crois drôle, petit voyou, viens par ici. Bats les pattes, pauvre ignorant. Sbire du barrage. Sale gosse, attends que je t'attrape. Espèce de balou insolent. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Oh, ne bouge plus! Crie donc, jusqu'à que tu perdes, jusqu'à te briser la voix, misérable idiot. D'ici quelques jours, tu ne pourras plus crier du tout. Mouahahaha. Sale petit. Là, je vais voir tout rouge. Le spectacle est fini, dispersez-vous. Ok. Bon, bah, c'était qui? C'est la troisième fois que ce sale gosse nous fait le coup cette semaine. Si jamais je l'attrape, je le massacre. Ok, bah, c'est sympa. Donc nous, on a récupéré un pass là sur le chemin. Ce pass-là. Des amis de Johnny. Donc on va aller chez Johnny. Ça offre des réductions. Donc on va aller chez Johnny. Déjà. C'est en bas chez Johnny. C'est là, je crois. On va voir combien ça coûte. Bonjour Johnny, j'ai ta carte. Vous avez eu ça encore un coup de jus? Il me faudra me faire nader si je manque un peu de jus. Ah. Ah, c'est pas mal ça. Je peux faire aucune amélioration. Par contre, je peux payer ça. Ok. Bon, bah voilà. Super. Aucune amélioration, mais je pouvais payer un truc pour SOS, c'est très bien. Bon, on va aller voir. Tiens, bonjour, monsieur. Salomon? Silence, imbécile. Qu'est-ce que tu fais? Il a encore filé. Pauvre imbécile, enfin je dois avouer qu'il a bien failli m'avoir cette fois. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Attendez, ne me dites pas que. Non, non, c'est impossible. Et pourtant la ressemblance est troublante. Toi? Moi? Oui, toi. Sais-tu qui je suis? Salomon? Dieu tout-puissant, alors c'est vrai, tu es bien elle. Mais de quoi tu parles? On s'est rencontrés dans le métro? Oh, oui, bien sûr. Bref, laissez-moi tranquille, j'ai des choses très importantes à faire. Bon, ils jouent toujours à Earthbound. On va aller voir le laboratoire directement. C'est où le laboratoire déjà sans moi? On finit la mission et on s'arrête. Très simplement. La mission que je pensais avoir été prise à l'envers. Oh, bonjour, monsieur Delsim. Monsieur Delsim, bonjour. Ok. Je sais pas pourquoi on le voit maintenant. Je suis mieux ici qu'au palais Pécule. Il faut bien protéger la sortie la plus importante de Barrage Ville. Ok. Jon, il faut qu'on apporte le four. Ouais. Ok. On y va, t'inquiète. C'est là, non? C'est pas ici?
Ah non, on est descendu trop bas. Ah oui. Et haut. C'est en haut. C'est là. Je sais plus où c'est. Attendez, faut que je regarde la carte. Ah, j'étais trop descendu. Ok. Lui, on l'a déjà rencontré? Bonjour. Oui. Enfin, faire trempette dans les sources d'eau chaude, mais c'est bien, Jimmy. Ok. Donc c'est par là, dans le petit allée. Voilà. Bonjour, princesse Alva. On a enfin fait sa connaissance. Le rebelle Sonic, oh là là, il est trop bien. Ah oui, vraiment. Je veux tout savoir. Et alors là, boum. Il a lâché cette énorme caisse. Qui? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est un antidote que je suis en train de mettre au point. Un antidote au miasme. Tu es au courant pour le miasme, n'est-ce pas, Sam? Au moindre contact avec cette horreur, c'est game over. Madame pour de vrai m'en a parlé, mais c'est pas juste une histoire inventée pour faire peur aux gens? Pour faire peur aux gens, oui. Inventer, ça non. C'est une substance extrêmement dangereuse. Si tu en vois, tu t'enfuis sans te retourner, tu m'entends? À ce propos, John a été franchement impressionnant. Mais le passage dans le jardin, c'était peut-être un peu exagéré. Hein? Comment vous êtes au courant? Eh bien, je... Ah, c'est le Rebel Sonic qui va tout raconter, bien entendu. Mais on sait que le Rebel Sonic, c'est toi, Alva. We know it. Enfin bref, j'ai terminé. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Génial. Jon, j'ai faim. Haha, et si on allait tous chez moi dans ce cas? Ah, ça va être long. Y a pas de musique, y a rien. Ah, ça fait plaisir de rentrer chez soi. Trop bizarre. Bienvenue au manoir de la fusée. On est chez vous, Alva? Oh là là. C'est encore plus grand que chez le maire. Vous devez être quelqu'un de super important, Alva. Si seulement. Il n'y a pas moyen de sauvegarder. On ne fait qu'emprunter ce manoir à mon grand-père. Oui, et Alva préfère dormir au hangar de toute façon. Le laboratoire, tu veux dire? C'est mon labo, Isa. Enfin bref, et si on se nourrissait nos estomacs qui gargouillent, qu'en pensez-vous? Démarrage du projet, accueil cordial et bonne pitance. Nous sommes parés pour le lancement. Attachez vos ceintures, les délicats délices de la grande cuisinière Alva s'approchent. Waouh! Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu as oublié la dernière fois où tu as voulu faire la cuisine? Je m'occupe de tout. Tout ce que vous avez à fournir, vous trois, c'est un ventre vide. Ok. Je suis désolé pour cette corvée. Elle n'aurait vraiment pas dû vous envoyer dans un endroit aussi dangereux. Elle va appeler cet endroit la vieille ville. Ça veut dire que c'était ça, Barrage Ville, avant? Oui, c'est bien l'ancienne Barrage Ville. Mais ça remonte à l'enfance d'Alva. Plus personne ne vit là-bas. La ville a été attaquée par le miasme. Le miasme? Mais alors, le miasme existe pour de vrai? Comment expliquer qu'en fait on vient de faire un niveau où elle l'a vu et qu'elle se le gère? Avant d'arriver ici? Non, rien, laisse tomber. C'est trop bizarre en fait. En tout cas, oui, le miasme existe réellement. Si le grand-père d'Alva n'avait pas conduit tout le monde ici avant qu'il s'abatte, eh bien disons qu'il n'y aurait pas non plus de nouvelle barrage-ville. Il a également inventé quelque chose pour combattre le miasme, si jamais il nous suivait jusqu'ici, le ventilateur de Bouddha. Le ventilateur de Bouddha? Waouh, mais c'est quoi? Avec un nom pareil, ça doit être super puissant. Plus ou moins, c'est un ventilateur géant installé au sommet du barrage.
Vous devriez le voir en montant vers la ville haute. Oh oh oh, je comprends, professeur Isabelle. Et donc le plan, c'était d'utiliser cet énorme ventilateur pour souffler sur le nuage et le faire partir? Oui, c'était l'idée. Mais il n'a jamais été testé en conditions réelles, et le miasme n'a pas réapparu par ici. Le grand-père d'Alba disait toujours « Le ventilateur nous protège, mais c'est Bouddha qui veille sur nous. » C'est super profond. Mais ça veut dire quoi? Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais s'il faut émettre une hypothèse, on a eu de la chance jusqu'ici. Mais qui sait quand la chance finira par nous abandonner? Merci 12 bis. Ah, c'est vrai. Alba a dit que votre chambre était à l'étage, au fond du couloir. Alors, faites comme chez vous. On peut les sauvegarder? Vous voulez dire qu'on peut loger ici? Pourquoi pas? On ne sert pas de cette chambre de toute façon. On ne se sert pas de chez vous. Okay. Houston, nous avons un problème. C'est curieux, je m'attendais exactement à ce résultat. Franchement, ta cuisine est encore plus dangereuse que tes expériences. Tu devrais peut-être éviter les cuisines en général à compter d'aujourd'hui. J'imagine qu'on va encore avoir des biscuits secs en guise de dîner. John, on va préparer le dîner tous les deux. Ok. Je sauvegarde d'abord. On sauvegarde. Jusqu'à ce qu'on dort. Hein. Hey, tu m'écoutes? D'où vient ce délicieux fumet? Nom d'un boulon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement appétissant. Ce soir, on a du curry au menu. Super. Jusqu'à ce qu'on dorme. On finit au moment où on dort. John est le meilleur cuisinier du monde. Nom d'une agape inespérée. Je pourrais en manger tous les jours. Oh, une petite seconde. Je viens de me rappeler quelque chose d'une extrême importance. Il est où, John? Sam, c'est pour toi. Oh, des chaussures. Oui, c'est vrai qu'elle avait pas de chaussures. Oh là là. Alors c'est ça, des chaussures, c'est super douillet. Et trop confortable. On peut courir maintenant ou pas? Merci, Alva. Elle est trop contente. John, regarde, des chaussures. John, Alva m'a donné des chaussures. Les chaussures qui donnent de la vie. Hein. C'est bon, là? Bon, on va s'arrêter là. Je pense que c'est très bien qu'on s'arrête ici. On va faire un petit peu du début jusqu'à ce que je sauvegarde. Même après avoir obtenu un tel pouvoir, le pouvoir n'est pas la réponse à tout, tu sais. Oui, elle, c'était elle depuis le début. Pardonne-moi, j'ai été consumé par la soif du pouvoir pendant trop longtemps. On sauvegarde et on se dit au revoir. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié parce qu'on a fait un long tempo, hein, quand même. Je vais regarder qui est en live. Et on va décider de qui on raid. Je pense que s'il y a June toujours. Voilà. Après, il y a Stop Grossophobie aussi qui est en live, donc je sais pas trop. Il y a le stream anniversaire, donc ça serait cool. Auteur indélébile, sinon c'est des violences et des... Ah oui, c'est le truc sur les auteurs. Des violences et des univers. Ah, c'est pas mal ça. Ok, alors du coup on va aller là-bas. On va aller chez Jolie. Enfin, on va aller chez. Je vous envoie chez Stop Grossophobie parce que c'est l'anniversaire de son stream quand même, c'est peut-être mieux. Et du coup, si vous passez par chez Jolie, tant mieux. Hein. Je vous mets le bruit musical de la cuisine à la fin. J'espère que vous appréciez. Alors, je sais pas d'ailleurs si Stop Grossophobie est
Ah ouais, non, je l'ai jamais raid, donc je pense que la dernière fois ça n'avait pas marché. Je vais faire. Et je pense que ça va pas marcher non plus aujourd'hui. Je sais pas trop. Je vais envoyer chez Jolie, c'est mieux. Parce que je sais que au moins je peux. Chanel. Bim. Je cherche. Et on envoie chez Jolie. Ah oui, il y a Patchwork aussi qui est live. J'ai pas vu Patchwork d'ailleurs sur quel sujet c'était. Revue d'actualité. Bon, je vous envoie chez Jolie, au moins je connais un peu plus. Pourquoi je vois pas là dans mon truc. Pourquoi il. Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas le truc. Je comprends pas. Il se passe quoi, hein? Je comprends pas pourquoi je vois pas. Je vois pas je lis sur mon truc. Trop bizarre. Bon, je vais faire un micro raid à la main. Et puis voilà. Un raid à la main. C'est comme ça, c'est la commande raid et après tu mets le at. Genre. Je l'ai jamais fait à la main. Oui, c'est ça. Bon, see you soon. On se capte. Au revoir. J'espère que vous appréciez ce moment. C'était cool. Le petit bruit de cuisine, on va vous rester dans la tête peut-être. See you.